Et bon, j'y ai pas touché en totalité. Bon, j'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu peur pour tout vous dire. J'ai juste changé le jeu sur Twitch quand même. Putain, mais Marcel, il parle pile au moment où on a besoin de lui. Hein. C'est pas possible ça. Hein. Le mauvais modérateur, quoi, Marcel. Tu files un mauvais coton. Hein. Le premier du nom est Inside. Par contre, il n'y a pas de blocage de FPS in-game. Du coup, il met la max au config sur PC. Hein? Comment ça? Par contre, il n'y a pas de blocage de FPS in-game. Du coup, il met la max. Ah, donc ce sera trop fluide? Tu penses que ça peut faire laguer le stream, ça? De toute façon, on va voir très vite. Hein. Ça va faire tourner le PC à fond. Bon, on va voir ça. Je lance le game. J'espère que ça va pas me faire casser le PC. Hein. Après, je peux peut-être limiter le truc. Je sais pas, on va voir. Alors, voilà, vous êtes beaucoup, hein, les gars. Merci, hein, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. De toute façon, en général, sur mes streams, vous êtes vraiment beaucoup plus. Je suis un peu mon Norman, là. Vous êtes de plus en plus sur ma page Facebook, ça fait super plaisir, mais c'est vrai. Hein. Ah. Tu pourrais mettre 30 FPS. Ah. Écoutez, on va tester. De toute façon, ma clim, elle souffle sur mon PC, donc quoi qu'il arrive, ça devrait aller. Je vais juste augmenter un peu le son. Je vais le mettre fort. Hein. Ok. C'est bien, le menu fait pas déjà flipper. Hein. Capture d'écran, on s'en fout. Oh, bah ma cam. C'est tout petit. Attendez que je me ragordisse quand même. On va faire les choses bien. Hop. Cam link. Attendez, mais je vois rien du tout. Putain, pour faire ça à la bonne taille, je te raconte pas. Ah bah c'est bon. Je l'ai fait en one shot. Je suis super chaud. Hop là. Voilà, capture de jeu. Et je crois qu'on est bon. Ça devrait s'afficher là. Normalement. Voilà, parfait. Alors par contre, je vous invite les gars très vite dans le jeu à me dire si le son est trop fort ou pas. En vrai, je pense que je vais même le baisser un chouille dès maintenant parce qu'à mon avis, ça va être trop fort. Voilà, on est bon. Écoute, j'ai l'impression que ça rame pas. Hein. J'ai l'impression que niveau perf, ça va. Ouais, vous me redites hein, dès que c'est bon, hein, les gars. Dès qu'on est dans le jeu, vous me redites si c'est trop fort ou pas. De toute façon, il y a une petite intro au début, donc je vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser profiter. On va essayer de se mettre un peu dans l'ambiance quand même, que ça fasse un peu peur. Attention, je vais cacher ça peut-être aussi. Hop. Ah, j'aime bien le titre quand même, raisonnable. Les gars, on se mettrait pas en raisonnable parce que difficile, j'ai un peu peur. Hein. On est cool quand même, on va se mettre raisonnable, je pense. Hein. C'est peut-être un peu fort. Je vais baisser encore un peu. Hop là. En vrai, je pense raisonnable, c'est bien. Mais difficile, je vais péter un câble. Bon, vous savez quoi? Je vais sur random.org. Random.org. Minimum 1. Maximum 3. On va mettre en difficile. Bon. Allez, bah super. J'avais envie en plus, hein. Oh, en plus, les munitions dans le jeu, c'est une horreur. C'est une horreur de souvenir. Je pense que, sincèrement, on va souffrir, les gars. On va beaucoup souffrir. J'ai horreur de ça parce que là, je suis vraiment en slibard avec vous. Je redécouvre le jeu et on se lance en difficile tout de suite. Donc ça fait un petit peu peur. Est-ce que RPCS3 est sans risque? Tu parles de l'émulateur? Je l'ai jamais testé de ma vie. Mais je pense. Je suis caché, les mecs.
Mais Fowler, mais attends, mais faisons une pause de seconde là. Fowler, je viens de lancer le jeu. Je viens tout juste de lancer le jeu. Une cinématique va commencer. Et tu demandes, je connais pas le jeu, je voulais savoir ça parle de quoi. Tu es exactement l'archétype des casse-couilles qu'il y avait sur mon live Death Stranding. Réfléchis. Soit tu regardes juste la cinématique, tu attends et ensuite tu dis, je n'ai pas compris ceci. Ou alors, tu vas voir un résumé sur Internet. Ou alors, tu vas lire un test sur Internet ou regarder une courte vidéo qui résume peut-être le scénario du jeu. Si, à chaque fois que je regarde le chat, il y a quelqu'un comme ça qui me demande « Je comprends pas, ça parle de quoi ? Pourquoi la couleur est de cette couleur ?» etc. etc. « Pourquoi les nains sont petits ? Vous commencez pas à me bronzer les couilles, hein ?» Bon, Fowler, regarde la cinématique. Isaac, c'est moi. Non mais c'est vrai, le mec il m'empêche de lire ce poème. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé par l'heure. Je peux pas croire ce qui se passe. Oh les graphismes, ça a bien vieilli par contre. Étrange. Hein. C'est chaud. Combien de fois l'as-tu regardé ? Elle doit te manquer. Merci Coca-Cola. T'inquiète pas, on y est presque. Oh les tronches par contre ! Une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau. Lolololala, ça a 11 ans, hein ! L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium. Bon, où est-elle ? Ah, la lumière, c'est joli, je suis d'accord. Destination en vue. C'est donc pour l'instant, c'est juste les veuges de la meuf et les visages, peut-être. C'est l'USG Ishimura, plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières ? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kalion envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ça, je peux pas encore me regarder parce que vous allez voir que notre héros là, Isaac, c'est peut-être le mec qui a le moins de charisme. Et il aurait pas plu à Pokimane. Hein. Perdre tous leurs moyens de communication. De tous les jeux vidéo. Hein. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher ? Qu'est-ce que c'est ? Un circuit grillé, comme on le pensait. Alors, c'est les chiottes de Flygo, là. Allons-y avec Isaac pour réparer. 48 heures max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Merci, tête de nuage. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Ah ! Bordel de... Chef, l'autopilote ! Qu'est-ce qu'il y a ? On dérive, nous allons heurter la coque ! Sur les boucliers ! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite! En plein champ magnétique, vous êtes malade, annulez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Aïe, 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 aïe. Oh, je viens de me souvenir que j'étais en difficile, par contre. Vous voulez nous tuer ou quoi ? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal. Oh, il a mis son casque ! Ça va nous retarder. Ok. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Attends, mais il l'a mis beaucoup trop vite. Je sais pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigs au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde... Bon, par contre, attendez. C'est fort pour vous, non ? Je pense, hein. Je me permets. J'ai baissé un peu le son. Tu sens bien à l'aise ? Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot.
Par contre, son casque... Ah, ah, j'aimerais bien ça. Je vous avoue que c'est peut-être un objet que j'aimerais bien voir, ça. Alors, attends, je vais pas remettre la musique. Alors, attendez, que je me fasse juste au niveau de la sensi et tout. Oui, ça, je sais. Ça, y a pas de souci. Oh, en plus, quelle horreur. Il y a une espèce de mini-délai entre le moment où je fais les trucs à la souris et ce qui se passe à l'écran. Ils sont totalement détruits. Je pense que on va mourir très vite. Hein. En vrai, c'est pas moche, mais le jeu a un peu mal vieilli. Oui. Oh, je trouve pas pour l'instant. On va voir plus tard, mais... T'as rien vu du jeu et tu dis ça maintenant, quand même. Hein. On va voir, on va voir. Ah, par contre, l'ambiance, tout le sound design du jeu et tout, ça m'avait manqué. Hein. Juste entendre Isaac respirer. Je peux l'ouvrir, ça, ou pas encore? Le courant semble coupé partout. Isaac, venez et déverrouillez ça. Ouais, je vais t'ouvrir la merde, là. Il lui fout de rejouer à Dead Space maintenant, faut pas faire ça. Mais si, les mecs, c'est Halloween! Par contre, j'ai très très faim. J'ai vraiment la dalle. Oh, le milliard de trucs qu'il y a looté aussi dans le jeu, j'avais zappé. Moi, je trouve que... Ah putain, on voit un petit peu sa tête, là. Vous le voyez peut-être un tout petit peu, là, sur son torse, là. Sur son nichon gauche. Vous voyez sa vraie tête. Et je trouve qu'il a vraiment... Le casque, il était tellement stylé, quoi. La sécurité devrait nous attendre, là. Ouais, on dirait pas. Je vois personne, ici. Et je ne capte aucune transmission. Ça me fait un peu mal de jouer en français, ceci dit. Fonctionne. Isaac, essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Kendra... J'y vais. Ça va au niveau du son, les gars, ou pas? Alors faites-le revenir, bon sang! Go V-Sync off, es-tu sur la fluide normalement? C'est pas fluide? Faisons parler cet ordinateur, Isaac. Moi, je suis fluide, hein. Ah, tu parles peut-être de la souris, non, c'est ça? Attendez juste. Je vais voir s'il a raison. Parce qu'en vrai, ça pourrait me sauver, je pense. Hein. Oh putain, merci. Est-ce que c'est toujours fluide pour vous? Dieu merci, t'avais raison. Alors ça, c'est pour se repérer. Écran carte. Ok. Écran d'objectif, J. Pour journal. Ok, c'est bon. Merci, Froggy Trash, pour ton deuxième mode d'abonnement. Ça marche. Ça a rien changé? Ok, parfait. Attendez, mais ma sensi, par contre, j'ai 45 ans ou... Je vais voir dès que j'aurai une arme, mais là, c'est très technique, hein. Merde, ça sent pas bon, ça. Ah, désolé. Morflé. Ah. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. On dirait que l'air circule à nouveau. Bon début. Ah, j'ai peur dès qu'on aura mis en... on est en difficile, le mec, je commence à avoir peur. Je me souviens ce qu'il faut faire au début, ceci dit. L'automatique a dû être trompé par le retour de la ventilation. Que tout le monde se calme. Mais ça mettait un peu le stress à l'époque, hein. Je vous cache la cam. J'en sais rien. Juste pour cette séquence. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Eh oh! Antonio Banderas, derrière toi! Kendra, lumière! Kendra! Allez! C'est bon! Il va te foutre le com' ici! Les portes s'ouvrent! Foncez! Ah, j'ai mis beaucoup, j'ai pas mis assez de sensibilité. Oh la vache! Mais il s'arrête à chaque fois là! Allez, rentre, rentre, rentre! Oh le salaud, putain de merde! Oh la vache! Oh la vache, Emile! C'est juste pour que vous profitiez un peu de l'intro. Bon, par contre, la sensi, les gars, c'est pas possible. J'ai fait ça, hein, pour faire un tour complet et juste pour tourner. C'est pas possible. On va mettre plus. On va l'augmenter de 1. On va voir si ça suffit. Alors.
Ça s'est encore passé, hein. Écoutez, je vais voir une... Putain, l'ambiance sonore du jeu. Ça va le son, au fait, les gars? Je vous redemande une ultime fois, hein. Comment on tape? Comment on tape au sol? Votre cible, tire, recharge. R. Quel, c'est bon? Ok, parfait. Ah non, mais là, c'est pas possible. Je vais être obligé de... Mais attendez, mais je vais pas pouvoir jouer. Je vais pas pouvoir jouer. La sensi, elle est ridicule. Oh, et en plus, on peut même... Ah non, mais là, je vais la mettre jusque là. Ça va pas le faire, là. Eh ben si, on va jouer comme ça. Ok, bon. Faut pas être épileptique, hein. Ah, frapper. Coup de pied, espace. Alors ça, par contre... Ça, c'était trop bien. L'une des... Un des trucs sur lequel le jeu a pubé à l'ancienne, c'était que... Ça se servait du démembrement. Vous étiez obligé de démembrer les ennemis pour être tranquille, parce qu'ils pouvaient se relever. Et vraiment, c'était stylé, hein. Mais attendez, mais il y a un problème, mais c'est trop lent, sa mère la pute! Bon, on va essayer, mais vraiment, je garantis vraiment pas le succès, là. Ils vont vite, ces enfoirés. Ah, mais j'ai oublié que je suis en difficile, j'ai plus de vie! J'ai plus de vie. Oh, le salaud. Tiens. T'as pas un truc à me filer, toi? Ah oui, et info aussi. Info aussi, la barre de vie est dans le dos. Donc la barre au centre, c'est ma vie. Et la petite barre à droite, c'est une barre de stase. Mais vous verrez à quoi ça sert plus tard. Alors juste, je vérifie parce que c'est bizarre. Vibration de sang, commande de base, commande rig. Non, non, j'ai bien augmenté. Je pense que je vais remettre un petit peu plus. Je vais quand même pas sortir la manette. Parce que là, on est dans la crotte. Hein. Je vais remettre un peu de son. Autant pas grand chose. Oh la vache. Ah, parfait. C'est ce qui... Ah, mais arrête. C'est ce qu'il me fallait. Utilise. Oh, j'ai fait R là. Ah, c'est A. Oh putain, je suis trop con. C'était affiché il y a même pas deux secondes, hein. Que tout le monde m'écoute bien. Il passe par les conduits. Il voit un porte-tour dans le vaisseau. Éloignez-vous. Regardez. Reculez. Reculez. C'est bon, là, on est tranquille. Isaac. Tu vas te barrer de mon écran, toi, sale merde. C'est insupportable, ça. Pourquoi j'ai le son qui est affiché tout le temps? Casse-toi. Attendez, j'attends juste vite fait. Ok, c'est bon. Me fait peur. Mais ça doit être plus jouable à la manette, non? Pour les esquives, etc. Bah, je suis exactement en train de me dire ça, donc on va voir. Je peux pas croire que tu es ici. Isaac. C'est stylé, hein. On en a croisé d'autres sur le chemin. Tout va bien? D'autres quoi? C'était quoi ces choses? L'équipage? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle, mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Putain, mais la voix me dit quelque chose en plus. Vous allez tous nous faire tuer. Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé, mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Mais vous, mais oui. Moi, oui. Eh ben, et là, voilà. Si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram. Oui, non, mais j'ai compris. C'est moi qui vais devoir tout faire comme à chaque fois. Y a pas de souci, y a pas de souci. Mais attendez, mais moi, par... Moi, je crois que quand j'ai joué au jeu à l'époque, je me suis mais jamais servi de la map à cause de ça. Ce truc-là, ça te dit à chaque fois où est-ce que tu dois aller, donc c'est tellement simple de se servir de ça.
Ah, je l'ai fait, mais... à l'époque, hein. Tah, l'ancienne, hein. Et quand même, il y avait de l'interaction, hein. Ah, c'est pas Far Cry 6, hein, les mecs, hein. Moi, j'ai sauvegardé, quand même. On est jamais trop prudent, on est en difficile. Attendez, ça a rien sauvegardé, là. Tu te fous de mes gueules. Si, c'est bon. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Pourquoi, tu... t'es de la police? Ok, c'est là que je dois aller. Tu sais, c'est que j'aurais bien récupéré la caisse, là, quand même. Ça, ça fait bizarre, hein, que les vaisseaux... Ça fait bizarre que les vaisseaux, tout de même, hein. Oh, la visée est horrible. Ah, encore plus, non? Ah ouais, non, mais... On n'aurait jamais dû lancer en difficile, les mecs, hein, par contre. Combien d'enfants à charge? T'as pas de sensi sur ta souris? Non, mais vous comprenez rien. C'est... Même si j'augmente les... la sensibilité de ma souris interne, ça changera strictement rien, ça fera le même effet. En fait, c'est bizarre, il y a une accélération de la souris. Donc en gros, là, c'est tout lent. Et si je fais un grand coup, ça va tourner super vite. Mais j'ai horreur de ça. Donc c'est ça qui gâche tout. Mais c'est pas grave. Attendez, lui, je ferais pas mieux de lui éclater la gueule, par contre. Juste au cas où, s'il se transforme. Isaac, attention. Les tirs dans la tête ou le corps ne leur font rien. Visez les membres, découpez-les. Ouais, ça, j'ai compris, ça t'inquiète. Ça marche. Ah, par contre, j'ai le son à fond, les gars. Comment c'est chier dans les couches, là. C'est quoi, ce bordel? Ah, oui. C'est vrai qu'on a plein d'énigmes à la con comme ça. C'est... Ok. Attendez, je veux juste voir ce que c'est, ce truc-là. Ok, on en a à fond. Je me fous de ma gueule. J'ai déjà raté, hein. Cette porte n'a pas l'air de fonctionner, Isaac. Sers-toi du module de stase que... Pompe-moi la stase. Hop là. Parfait. Par contre, j'ai le son tellement fort, là, les gars. Oui, je sais qu'on peut... Oh, putain, j'ai utilisé le kit de soins. Ah non, mais là, je serais obligé de re-sauvegarder, en fait. Enfin, je fais que de la merde. J'utilise toutes les touches. Bon, je pense qu'ils vont nous le dire, hein, ce qui sert à... Ah non, c'est pas ça. J'ai absolument tout essayé, là, les gars. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah non! Ah non! Ah non! Ok, c'est bon. Tu refais jamais ça, le jeu, hein. Oh putain, je m'en rappelle ici. Oh, oh ça c'est chiant. Merci Pablo. Ah, oh, je m'en rappelle de ce truc à la con. Prendre force, ok, ça, ça va nous servir plus tard. Tu sais, c'est que j'ai plus de stase, là. Ah! Je coupe cette jambe. J'ai déjà plus de balles? Attends, attends, attends.
Oh putain, ça fait peur déjà là. Remplacement de rame en cours. Patientez. Des munitions, des munitions, des munitions. Mais coupe cette merde! Quand l'ordinateur sera reconnecté, tu pourras commander le tram depuis la salle. Oh là là, ça fait que de gueuler, j'en peux plus déjà là. J'entends quelque chose gratter dans le coin. Oh là, le son est fort chez moi, les mecs, hein. Putain, y'en a un autre. Vas-y, ramène-toi, bouffon. Ok, parfait. Alors, par contre... Est-ce que, les gars, vous avez la touche pour qu'on puisse bouger un petit peu le laser? Parce que ils me l'ont pas dit, je crois, depuis le début. Baisse un peu, ça ne dérangerait pas. Ah, vraiment? Parce que je vous avoue que là... Enfin, pour vous, ça doit être horriblement fort. Et moi, ça me défonce les esgourdes. Je vais mettre jusqu'ici. Peut-être un peu plus, encore. Alt? Ah, c'est peut-être Alt. Non, même pas. Ah, c'est juste espace. Ok. C'est le seul truc que j'ai pas testé tout à l'heure. Ok, j'ai ma stase. Bon, vous voyez un peu l'ambiance du jeu, hein, quand même. Hein. Ça fait pas de cadeau. Hein. Ce qu'il y a, c'est que là... Ok, ça va, j'ai des munes, quand même. C'est vraiment la première fois que je joue au jeu en difficile. Hein. Il y a quelqu'un au-dessus, par contre. Faut tellement peur, ces cons, là. Je sauvegarde, quand même. J'ai pas envie de recommencer ça. Y'a pas un bouton de... Juste pour me retourner vite? Ah bah en fait ça marche ça. C'est pas si fort, c'est surtout quoi qui nous hurle dessus. Ah, je suis désolé les mecs, hein, mais moi le son est à fond chez moi. Du coup dès que j'entends un truc, c'est décuplé par 10 par rapport à vous. Hein. Allez c'est parti. Oh putain. Mais putain, mais je t'ai tiré trois fois dessus. Mais ça suffit pas. Oh la vache. Oh putain, comment ça me gueule dessus là. On va le faire en coop celui-là. Non, non, non. C'est le seul qui est possible à faire en coop, c'est le 3, si je dis pas de bêtises. Je crois que le 2, c'était pas possible. Isaac, j'ai contourné les systèmes de sécurité du pont. C'était pas simple, mais la porte de la maintenance est déverrouillée. Le fameux disque dur... Allez, dépêche-toi, j'ai envie de me barrer de là, là. Tu les as déjà fait? Non, le 3, j'ai jamais fait. Le 2, je l'ai fait en partie. Le 1, je me souviens l'avoir fait, mais je sais plus si c'était en entier ou pas. En tout cas, ça date. Hein. On a peut-être une solution pour les tuer. Voilà, n'essayez pas de viser la tête ou le corps. Il faut les démembrer. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit. On commence à comprendre, les mecs, hein, au bout d'un moment. Isaac, ils font que de gueuler dans ce truc-là, de toute façon. La porte de l'entrepôt a l'air verrouillée. Il doit y avoir une clé à la maintenance. Je pense qu'en fait, le 3, il est sympa. Uniquement grâce à l'aspect coop. Sinon, si tu lui retires ça, je pense que... Quand t'as fait les deux premiers, tu chies un peu sur le troisième, quoi. Allez, vas-y, ramène-toi. Allez, viens. Vas-y, viens. Je t'attends. C'est une vanne là. Oh la vache, le ragdoll.
c'était imprévu ça quand même hein. Ouais des fois ça fait des trucs chelous hein. Attends lui il est décédé ou... Ah ! Oh je le savais ! Y'en a un autre là ou pas là ? Ça commence déjà à pas me plaire hein. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Tiens donc ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Oh ça sent pas bon ! Alors là par contre je vais me faire baisser non ? Faut surtout pas que je me fasse exploser la gueule. Allez vas-y, va te faire foutre. Allez ramenez-vous, les bouffons. Reste là toi ! Voilà les gars, nous on fait de l'économie de balles. J'ai plus de balles ! C'est mes 5 dernières balles. Hein. Bon bah j'ai perdu, tout simplement. Je vais essayer d'aller chercher la balle. Hein. Il y a forcément des boulettes là. Ah, ça on a compris. Donnez des balles s'il vous plaît. J'ai que des soins, j'ai pété un câble. Je suis dans une merde noire là. Hein. Ah ! Ah 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 ! Oh ça ça... Ça ça me va. C'est bon là ? Ok c'est bien ici. Ouf ! Raconte-nous ce que tu voulais à propos du ski au fait. Désolé j'ai dit ça tout à l'heure mais j'aurais jamais dû le dire en fait parce que j'ai oublié, ce que je voulais dire donc... J'ai totalement zappé. Mmh. Toujours pas de footcam les gars. J'y travaille. Elle sera prête pour le prochain je pense mais... Il y avait d'autres priorités pour le live d'aujourd'hui les mecs. Hein. Je vous cache pas que... J'avais envie de travailler tout sauf la footcam. Bande de coquins là. Ça me course là ? Allez vous faire foutre. Mais tu vas crever, oui ? Il est mort là ou pas ? Gyroscope avant vaisseau USG Shimura. Qu'est-ce que je suis en train de lire là ? On s'en fout de ça. Ouais, vous m'emmerdez, hein. C'est pas possible. Allez, on descend. J'ai la clé, les gars. Ça va au niveau de la qualité du stream aussi, au fait ? Ça lag pas ? Vu qu'on me disait tout à l'heure que ça pouvait ramer ou quoi. C'est bon, là ? Pourquoi je regarde le chat ? Allez, te fais pas toucher, on est en dé... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi qui l'ai envoyé là ? Oh là, la physique est un peu douteuse parfois, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? J'ai rien compris. Ça l'a fait glisser jusqu'à sa destination, là. On est d'accord qu'il y a eu un problème, là, non ? C'est pas lui qui est parti dans ce sens-là, c'est moi qui l'ai fait partir là-bas. Ah, par contre, là, le soin, c'est bien technique. Alors, qu'est-ce que t'as à me proposer ? Allez, point de force, ça c'est bien. Et donnez-moi des munitions, par pitié. Disque dur. Utilisez les points de force pour améliorer vos armes et rig avec les points de force. Ah oui, c'est ce qu'on a chopé tout à l'heure, on en a deux, du coup, je crois.
Vous savez combien de temps dure le speedrun aussi du jeu? Je vous avoue que j'ai pas regardé ça. Merci Paris, Tokyo, Londres pour ton Prime Gaming. Je serais curieux de savoir combien ça... Combien de temps ils mettent. Alors attendez. Module de stase, cutter plasma. On va peut-être améliorer le cutter quand même. Hein. C'est combien? C'est combien, monsieur? C'est un point. 1h09? C'est pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup. Je vais juste toucher à ça. Meilleur air de 20 secondes. Meilleure force de 25. Qu'est-ce que c'est la force, les gars? C'est que j'ai plus de soins ou c'est juste que je fais plus mal au cac? Ah oui, j'avais vu une vidéo là-dessus, en fait, d'Edzac. Tu fais bien de le dire. Merci pour le sub, au fait. J'ai plus ton nom, du coup. Je vais remonter tout de suite. Merci, Sum26. Juste la force. Bon, je suppose que je peux pas, de toute façon. Et oui, je suis obligé d'augmenter l'air avant. Écoutez, pour l'instant, je vais économiser mes points. On verra plus tard. De toute façon, j'aurai d'autres points pour améliorer ma force et tout plus tard. Mais attendez, mais j'ai l'impression que c'est tellement lent par rapport à... Ah putain de merde. Je vais pas les tuer tous, hein, je pense. Hein. Ouvre, ouvre, ouvre ta mère la pute. Ouvre. Ferme, ferme, ferme. Comment on ferme? Ah putain, c'est là. Ah mais en difficile, je prends aucun risque, hein, les gars. Hein. C'est bon, c'est fini, arrêtez la musique là. Oh putain, ça pète les oreilles. Ah! Oh la vache, mais il court vite lui. Il y en a un derrière moi, il y en a un derrière moi. Je l'entends, je l'entends. Il est là. Allez, ramène-toi, bouffon. Oh, le petit coup de stress. Oh, la petite montée au cœur, là. J'ai eu un peu peur. Juste un peu. Ok, on est bon, là? On est tranquille? Ah, il faut que je mette le disque dur là-bas. Les commandes du tram sont activées. Ouh. C'est bon? Ah, les sons du jeu, j'avais oublié à quel point quand même c'était quelque chose. Hein. Ils sont forts, les mecs. Hein. J'ai du mal à croire, par contre, que c'est sorti en 2008. Hein. Parfait, on est à bord, vers la passerelle. Je trouve que ça a bien vieilli, hein, franchement. Étrange. La quarantaine semble levée. Notre comité d'accueil a dû partir, et tant mieux pour nous. Isaac, revenez au Kélion et préparez le départ. On inspecte la passerelle et on vous retrouve là-bas. Si on est encore en vie... Ça marche, mon pote. Vous êtes suicidaire, Hammond. C'est de la folie, on va tous mourir ici. Votre manque de confiance envers moi est bien enregistré, Daniels. Mais j'ai une mission à accomplir, et c'est exactement ce que je vais faire, avec... C'est Remaster? Bah non. Il faudrait qu'il sorte déjà pour que ce soit Remaster. Non, non, pas du tout, c'est le jeu à l'époque. Sortez-nous d'ici vivants. J'ai même pas mis un seul mode, hein. C'est le jeu installé depuis EA. Ouais, bah, je pense que des clips où je crie, il va y en avoir beaucoup, hein. On le sauvegarde tout de suite. Ouais, de toute façon, on va devoir retourner en arrière, non? De souvenir. Le bruit du métro super aigu est un vrai métro enregistré IRL. Mais il y a une très bonne vidéo, hein, qui est sortie sur YouTube où... Le créateur directif, il parle de... Comment ils ont fait pour faire le 1, comment est venu les idées, etc. Comment sont venues les idées, plutôt.
Et c'est vachement intéressant. Allez, me sautez pas dessus les gars, s'il vous plaît. Ok. De toute façon, je dois remonter là. Je vais devoir éliminer la vermine de tout à l'heure. Genre juste ça. Juste ça, ça c'est stylé franchement. Je vous dis, dans le jeu, il n'y a aucune interface. Tout est sur le corps de Isaac là. Je trouve que c'est du génie, c'est du génie. Le jeu est incroyable. Ça fait même pas 30 minutes qu'on joue, hein. Quoique, peut-être un peu plus. J'ai eu un petit spasme. J'ai appuyé comme une vieille personne sur la touche droite de ma souris. J'ai honte. Viens ici, toi. Tu te barres vraiment ? Dis pas qu'il y en a un derrière moi, par contre. Ok, ça me va si tu t'en vas. Isaac, on est à la passerelle. C'est un vrai cauchemar. Ils sont tous morts. On va chercher l'ordinateur principal. A plus tard. Ça marche. Bon là, il me faut absolument des munitions, sinon on est dans la merde pour la suite. Hein. Je savais que j'aurais jamais dû vous écouter. En fait, on m'aurait écouté depuis le début. Je serais en train de faire une petite promenade de santé. En mode de jeu raisonnable. Mais là on est en difficile, du coup je suis encore plus stressé. Tout ça c'est votre faute les mecs. Hein. Ça devrait le faire. Même les bruits d'Isaac, je les kiffe trop. Hein. J'aimerais bien faire un jour des bruitages dans un jeu comme ça. Les anciens devs sont sur un nouveau jeu d'horreur, à voir si c'est aussi bon. Ouais, c'est le jeu dans l'univers de PUBG, là. On va voir. Mais tu m'es juste tombé dessus, là. Ça fait beaucoup, là. On a encore plus de balles. En plus, j'ai rien, là, pour survivre. J'ai vraiment rien. Ok, des soins. Bon, par contre, niveau soins, on est bien. Ils sont généreux. Je pensais que ça allait être beaucoup plus galère en difficile. Forme de vie hostile détectée. Dommage externe. Oui, je me barre. Je les déteste ceux-là. Ah non, c'est les autres que j'aime pas. Collision détectée dans le hangar principal. Envoie une équipe d'urgence sur place. Allez ! Encore ! J'ai plus de balles. Ok, on est bon. Ah mais il y en a d'autres là ! Je pensais que c'était sur une autre. Ah ! Tu vas arrêter de me sauter dessus ! J'ai plus de balles! Mais putain, mais il va te faire foutre, il a des mouvements! J'arrive pas à deviner où il va! J'ai plus de balles, je suis obligé de me barrer. J'ai bouffé toutes mes balles. J'ai plus de balles. Enculé, putain. Il faut aller où là? Il est starbé, lui. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé, Elvetto? J'ai plus de balles. Mais laissez-moi tranquille. C'est notre seule lumière autour. Kendra. Non, Hammond. Là, ça change vraiment tout. Mais taisez-vous. Vous pouvez accéder aux commandes.
J'ai que des crédits. Ça va pas. Les systèmes on est dans la merde, hein. Sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? On est vraiment dans la crotte. Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius, situation en soins, statut décédé. Quoi? Merde! Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur. Bordel! Isaac. Oui. Je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ses codes le plus vite possible. C'était quoi? Oh, les cagouins! Y a pas à dire, les sons ils savent faire, hein, ces enfoirés. Hein. Bon, alors j'espère trouver des balles ici. Arrêtez avec les kits de soins, je n'en ai strictement pas besoin, sincèrement. Je vais quand même pas me battre au cac. Marqué quoi là? Beware, don't look back, fuck. J'ai pas trop le choix. Hein. Ça me fait un peu peur. Elle fait du suspense. Bon, du coup, je suppose qu'il y a encore la goule dégueulasse là. De toute façon, j'ai tout nettoyé là. Ouais, allez, allez, allez. Ok, je me barre. Il faut qu'on trouve absolument des balles, sinon on est dans la belle merde pour la suite là. J'aurais dû jamais vous écouter. Hein. Maintenant je comprends à quoi ça sert d'augmenter juste la force sur le jeu quoi. J'étais certain que c'était un truc useless. En fait non. Ok. Je vous avoue que je vais bien garder mes soins même. Juste si je pouvais avoir des munitions, bande de débiles. Bah écoutez, on va augmenter la force. Hein. Voyons voir si je vais. Ce qu'il y a, c'est que je suis obligé d'augmenter l'air en premier. Non mais vous m'emmerdez. En vrai, ça sert à rien. Je vais mettre un point dans un truc qui me servira pas encore. Donc vaut mieux que j'attende d'en farmer des plans pour faire un truc ensuite. Là, le stock. Parce que j'ai des trucs à laisser. Oh, acheter. Ah, mais j'avais oublié que c'était là qu'on achetait. Alors j'ai quand même tenu niveau 2, améliore l'inventaire et l'armure. En vrai les gars, priorité armure. Priorité armure. Putain j'avais oublié, j'étais certain que c'était que dans, à partir du 2 que tu pouvais améliorer ton armure. Je t'ai trouvé généreux sur les tirs au début sur la première. Ah mais je l'ai été justement, ce qu'il y a c'est que j'ai vraiment pas fait l'économe mais là je vais devoir vraiment faire gaffe et faire des salles où juste je cours et je tue personne. Donc là. Oh merci pour le raid pour le host, t'es abusé. Un viewer, les gars, grâce à vous, je pense qu'on va monter dans les méandres. En vrai trancheur, j'aurais bien économisé. Hein. Ok, j'ai compris. Vous allez m'emmerder avec ça. Alors, Streamlabs, OBS. Techniquement, si je mets la limite minimum de host à 2 viewers, vous êtes tous baisés. Parce que personne va sur votre chaîne. Alors, Alertbox. Host. Minimum viewer. J'étais gentil. J'avais mis 0. Les gars, maintenant, on met 5. Attention. Allez choper 5 viewers sur votre chaîne. J'ai peur. Voilà. Vous êtes fait cockhead, les gars. Cockblock.
Bon, par contre. Par contre. Ça, c'est mon. Eh ben, tu sais quoi? Déplacer. J'hésite, les gars. En vrai, je crois que l'arme d'assaut, ça pue la merde. Je vais prendre des munitions, je pense. Je vais prendre 3 packs. Et la prochaine fois qu'on vient ici, on prend le trancheur. Parce que le trancheur, c'est puissant, cette merde. Hein. Allez, on est bon. Et juste, vous avez l'info ou pas, les gars? Parce que j'ai le souvenir qu'on pouvait aussi améliorer ses armes, mais c'est pas ici. Ah mais non, c'est là, je suis con. Attendez. Et oui, je suis tout à fait débile. Et du coup, est-ce que je peux pas faire un truc juste pour mon petit cutter plasma? Ah non, ouais, faut vraiment qu'on attende, hein, ça sert à rien. Elle est bien l'arme d'assaut. J'ai le souvenir que ça faisait un peu des bisous quand même. Elle envoyait un peu des faire-part l'arme. Hein. Mais bon, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être dans mes souvenirs. En tout cas, je sais que quand j'avais joué aux deux, plus jeune, je jouais jamais avec ça parce que... En tout cas, je jouais avec uniquement en dernier recours. On a déjà fait l'épisode 1. Non, en fait, c'est une promenade de santé en difficile. Vous savez combien il y a de chapitres dans le jeu ou pas, les gars? Me spoilez pas, hein. Dites-moi juste le nombre de chapitres. Merci, Grand Duc, pour ton prime. Merci beaucoup, les gars. Treize chapitres? Ça fait beaucoup. Oh putain, j'ai eu peur. Je pensais que c'était une arme encore qui faisait ça. Module macro PK. Ah, c'est maintenant! Oula. Bon, la physique du jeu date de 2008 aussi. Attends, mais du coup... Ouais, bon, c'est vraiment pour être sûr. Hein. Donc maintenant, je peux me débarrasser de cette merde. Ok, on a des soins. On a des munitions. Normalement, on est bon, les gars. Est-ce que je vais avoir le réflexe de me servir de la télékinésie? Ah, par exemple, je peux pas passer, du coup. Et là... Voilà, parfait. Et juste, je veux vérifier un truc. Ok. Donc quand je tire avec la télékinésie, ça tire pas mon arme. Mais ça tire bien le truc que j'ai dans les mains. Ramasser des schémas pour ajouter des objets au stock. Un lance-flamme. Putain, je me souviens plus du lance-flamme. Et attendez, mais dans ma tête, en vrai, tout ce qu'on vient de trouver, la télékinésie et tout, je pensais que c'était des nouveautés du 2. Si tu veux rigoler plus tard, essaie de mettre des membres en travers des portes qui claquent avec la télé. C'est un joyeux bordel. Ah, tu me le rappelleras parce que je pense que je vais pas y repenser, mais ça me fait peur à chaque fois, lui. Vous êtes là? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Il reste un espoir. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Cherchez de la thermite dans la pharmacie et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Je suis vraiment la grosse merde, quand même, dans la team. C'est moi qui fais tout dans l'histoire. Vous, vous faites rien. Vous restez assis dans votre bureau. On a du fric. On a des munitions. Putain, si ça se trouve, j'en ai vraiment acheté pour rien des munitions. Bon, là, apparemment, c'est l'appartement de Flygo. Vu toute... l'odeur qui s'en émane. Bon stock, on est d'accord qu'on en a pas besoin pour l'instant. Là, j'ai envie d'y aller ici, mais...
Je crois que ça sert à rien pour l'instant. Allez, épisode 2, c'est parti. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus que 40 minutes par contre. Hein. Je suis désolé les gars, mais... J'ai l'impression que c'est une éternité. Hein. Il y a peut-être moyen qu'on se fasse une petite pause nourriture à hein, un moment, parce que... Ah ouais. Donc il fait vraiment extrêmement froid ici. Allez, je vais essayer un truc. Je vais essayer ce que tu me disais. Ils ont disparu là. Bon. C'est un jeu qui a 11 ans. Même plus, hein. On va pas lui en vouloir. 13 ans, je crois, au final, le jeu. Ah, ils me le disent que maintenant, en plus, ces bâtards. Et heureusement que j'ai trouvé tout seul, hein. Oh là là, la le système de sensibilité dans le jeu pue la merde. J'ai envie d'essayer. Allez, rouvre, rouvre ta porte. Ça a pas l'air de marcher. Oh, ça bug. Voilà. Bon, j'ai plus de stase, mais on est prêt. Alors, qu'est-ce qui se trame ici, là? C'est très grand, c'est même trop grand, là. Ouh. J'ai plus beaucoup de stase. Putain, il a vraiment... Je trouve qu'il a quand même là, une putain de classe, hein, le... Isaac, hein. Elle est trop cool, hein, son armure, hein. Bon, faut qu'il garde vraiment le casque, hein. Mais sinon... Je trouve trop stylé. Anomalie dangereuse détectée. Ah, oh, les bâtards. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait rien du tout. Attends, ça marche ça ou pas? Ah! Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde! Nom de Zeus! Attends, mais c'est de la merde là, mon truc de télékinésie là. Donne ta patte! Mais putain, mais laisse-moi tranquille, toi! Donne ta patte! Eh putain, elle est tombée. Elle est tombée, la papatte. Ça fait strictement rien. Ça fait strictement rien, et je suis dans la merde. Je vais réessayer. Ah, la visée, elle est tellement catastrophique, clavier-souris, les gars, je vous laisse même pas imaginer, hein. Donne ta patte. Ça t'a rien fait là? C'est quoi cette arnaque? Alors peut-être... Peut-être que je vise très mal. Bon, au moins ils donnent des boulettes ces cons là, mais... Oh, c'était technique, hein. Allez, il nous reste combien de balles, là? On en a pas mal. Oh! Ah, c'est toujours ça en moins. On va descendre. J'ai utilisé un milliard de soins, par contre, là. Ouais. Bon. On est dans la crotte. Ça doit bien marcher quand même d'envoyer ce truc là dans la gueule d'un ennemi. Ouais, c'est sûr quand même que ça sert à quelque chose.
Je retesterai plus tard, les gars, hein, mais bon, ça me paraît très bizarre que ça marche pas. Énergie plasma. Je vais quand même visiter les alentours, hein. J'ai pas envie de passer à côté d'un truc. Oh putain, le bâtard. Oh les enculés. Allez, recharge. T'es moche, toi! Oh, le bâtard! Mais putain, mais les dégâts qu'il met! Viens ici, fumier, là. Ouh, putain, il était énorme, lui! Il mesurait 3 mètres, le bordel! C'est bon, là? On peut respirer 2 secondes? Hum! Ah, moi je suis d'accord, hein, je trouve que le jeu est encore super beau. Hein. Ça a presque 14 ans même. Quelle malédiction peut bien causer tout ça? À mon avis, je trouve ça très joli. Pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. Bon, on a des lunes. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi je sais. Le monolithe est... C'est la voix de Captain Iglo par contre là. Vous le savez. Et ses voix sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous tracasse tant? C'est Buzz l'éclair. Capitaine, des gens meurent là-dessous. S'entretuent. Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie? Docteur Terence. Il y aura toujours des risques, si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. Je sais, arrêtez mon général. C'est bien ce qui m'inquiète. Bon, est-ce qu'il y aurait pas autre chose à prendre là-dedans? Parce que si c'était que pour du blabla ici, bon, ça m'emmerde un tantinet. Oh, ça a l'air, hein. Ouais, pour le lore. Bah, de toute façon, le lore, hein, c'est un peu simple, hein, de Dead Space, hein. Enfin, quand tu le prends en surface, c'est simple. Hein. Mais je crois qu'il y a eu un... Ils avaient fait un comics pour la sortie du jeu. Une série qui était diffusée sur Internet aussi. Un dessin animé, je sais plus. Mais je crois qu'il y a un délire comme ça. Incroyable. J'ai vu ces colons se transformer en des êtres absolument prodigieux. Un vrai miracle. En tant que fidèle de l'Église, je souhaite devenir l'un d'entre eux, mais le scientifique voudrait connaître leur secret. Je dois étudier un de ces nécromorphes comme Guide les appelle. J'aimerais bien retourner en haut pour aller dans la pièce qui était fermée. Si ça se trouve, il y a des trucs à looter là-bas. Oh, le film en dessin animé, ouais, voilà. Et Dead Space Downfall, ça c'est le nom du dessin animé? Ah putain, c'est toujours fermé. Mais ouais, moi je me souviens surtout d'un comics plus que d'un dessin animé. Et ils ont sorti aussi un jeu sur Wii, où c'était un rail shooter. Et je crois que c'était pas si dégueu que ça, en vrai. Mais ça date, hein. Bah ça date... Époque 2010, je crois. Rien que le son des portes fait vraiment flipper. Et on va pouvoir acheter le trancheur. Hein. Allez, le fric. Prends-le. On a trop de munitions plasma maintenant, en plus. Est-ce que je peux me faire plaisir? J'en ai combien? Ouais, j'en ai presque 100, les mecs. On va commencer à les utiliser, hein, je vous le dis. Hein. Dead Space Aftermath, c'était une dope, c'était un animé en 3D, c'était à chier. Ah. C'est Downfall qui était très cool. Oui, exactement. Mais avant, il était sorti sur Wii, si je dis pas de bêtises, Black. Et ensuite, ils l'ont adapté sur PS3.
Oh putain, les bébés. Ah! Ouais, je déteste ces ennemis-là. Ils sont horribles. Ils sont tout simplement horribles, ces ennemis. Il s'est barré, c'est bon? Allez, ramène-toi le bébé, là. Mais t'étais où? C'est pas possible, ça. Ah putain, j'aurais dû sampler shoot dans le bébé avant de lancer le stream. Non, pas shoot dans le bébé. Shoot un bébé. Putain, j'aurais dû le sampler. J'ai mal préparé le stream, les gars, je suis désolé. Putain, il m'a enlevé de la vie en plus, ce bâtard. Ah, j'en ai plus que deux, je vais économiser un peu quand même. Tu vas crever, toi, hein? Tu te fous de ma gueule? Je t'écrase le museau en face. Allez, chute dans le bébé. Voilà, c'est ça. Meurs à cause de la physique, ça me va. Alors, attendez, les gars, j'ai écrasé mon... Je chose du 47. J'ai écrasé mon yep dessus. Encore en ville, bordel. Bon, alors on va dire que c'est bon. En vrai, ces bestioles-là, ils seraient pas mal à niquer avec la... Comment ça s'appelle? Avec cet explosif, on devrait pouvoir faire sauter... Avec l'arme automatique. Il nous faut un défibrillateur. J'espère tenir ma position. Point de force, ça c'est bon aussi. Bon, c'est bon, vous me laissez tranquille? Oh, tu te fous de ma gueule. Oh, le timing de con. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, bah à plusieurs. Mais putain, mais ça peut pas se couper, ça, entre toi et lui, là. Allez, tue-le. Voilà, c'est bon. Eh, bande d'enculés, mais vous me saoulez, hein. Donnez quelque chose, là. Il y a de la barbaque absolument partout. Ils ont rien à me filer. Oh, que ça m'énerve, ça. Ils sont pas généreux, hein. Enfin, dire que je suis lancé en difficile à cause de vous. Putain de merde, je vous déteste. Ok. C'est bon? On est calme? Ok. Où dois-je aller désormais? Machinerie médicale. Est-ce que j'aurais besoin? Ouais, c'est ce que je me disais. On va peut-être poser un peu de munitions. On va faire un peu de ménage quand même. J'ai trop de bousins dans mon inventaire, il va être plein en 2-2. Alors, inventaire. On va déposer ça. Déplacer. On va déplacer ça. Ensuite, voyons voir. Est-ce qu'on se prend le trancheur, les mecs? Parce que quand même... C'est pas mal, hein. Petite recharge d'air pour la réserve d'air. Stase. Ou un point de force, on améliore notre trancheur. J'ai envie d'acheter toutes les armes, en fait. C'est ça qui me casse les couilles. Mais on est en difficile, donc je peux pas faire ce que je veux. Je vais d'abord aller voir là-bas ce que je peux m'améliorer si j'achète le point de force. Ah mais je peux pas en fait ici, je suis baisé, j'ai rien du tout en fait là.
Mais oui, je suis totalement con. Bon, faisons un choix vite. T'as la plus haute difficulté? Ouais, difficile, Théo. Théo dans mon chat? Théo dans mon chat alors que... Mais ça fait 5 jours que t'es pas venu sur le Discord en vocal. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Trancheur, arme d'assaut. Eh, tout le monde a kiffé, hein. Tout le monde a kiffé ce que t'as fait, Théo. Bon, heureusement que j'étais là au graphisme, sinon ça aurait été technique, mais... Ils ont kiffé, hein. Allez, je prends le trancheur, c'est décidé. Quand il y a plein de mecs qui s'alignent, ça, c'est juste parfait. Oui ? Tu veux dire que j'ai aucune munition ? Voilà, là on est bon. Alors ça les gars, il y a un tir secondaire, je me rappelle plus ce que c'est, j'ai pas envie de l'utiliser pour rien, donc je vais attendre. Allez, on sauvegarde et c'est parti. Quel jeu de fou quand même. Allez, c'est parti. Le tir secondaire attaché. Ah, il fait quoi les gars? Juste pour info, j'aimerais bien savoir. Grenade collante. Ah ouais, ça pue. Ça pue. Je vais pas l'utiliser, je pense. Hein. Surtout dans ce jeu-là, c'est vraiment pas ouf, le délire de grenade, vu qu'ils sont tout le temps en mouvement, les ennemis. Ok. Allez, va te faire foutre. Je vais courir, hein. Bon, je suis désolé, mais c'est pour un souci de sûreté. Ouais, vous avez raison, hein. La physique, je me rappelais pas qu'elle était autant finie à la piste quand même, hein, c'est technique. Utiliser quoi ? Ah oui, 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 il doit y avoir des munitions et tout là-dedans, et je prends, moi. Semi-conducteur or. À quoi ça sert, cette merde? Dent trancheur, énergie plasma. Putain, à quoi ça sert, les gars, ce que j'ai ramassé? Du fric. Kit de soins. Mais en fait, c'est très bien. Transmission. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah oui. Ouais, j'ai pas le souvenir que ce soit comme ça quand j'avais fait sur 360 à l'époque, donc... Il est enfin là. Nous sommes ses premiers apôtres. Mathius n'autorise personne à descendre sur la colonie. Elle est sous quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Mathius ne sait rien. Lui, plus que les autres, devrait savoir que rien ne compte plus, que ce soit l'opération ou même la compagnie. Elle est notre délivrance. Mais taisez-vous, bon sang. Des gens sont morts là-dessous. Les faibles... En vrai, j'ai été mauvaise langue, hein. La VF est pas mal, hein. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux m'améliorer, là? Le trancheur, on va s'en servir. Module macro PK, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour la télékinésie, non? Non, non, non. Je peux pas augmenter la force tout de suite, bien sûr. On va peut-être augmenter la capacité de ça, quand même. Hein. C'est une arme qu'on va garder longtemps, on va essayer de ça, quoi. Je me rappelais pas qu'on pouvait améliorer ce truc-là aussi. Utilisez la télékinésie sur les objets affichant ce symbole.
C'est bon là? Alors là, si on me nique pas, je m'y connais pas. Hein. Voilà, c'était sûr. C'est quoi ça? J'ai chopé un truc dans l'action là, je sais pas ce que ça m'a fait mais... Allez mais pète-lui le bras, pardi! Il s'est vraiment barré comme ça ce bâtard. Allez, attends, je vais me barrer par là. Allez du con, t'es mort. Ah ça, ça m'appelle quelques nuits passées seules, hein, pendant mes études. Ah, c'est vrai que c'est technique là, physique là sur PC. Où est-ce que ça va ce bousin? Où est-ce qu'il va ce truc? Ah là-dedans. Qu'est-ce que ça m'ouvre? Ok, l'ascenseur. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah! Ben voilà, Yass encore, hein. Après les lives, si vous vous demandez ce qu'il fait, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors toi, salope! Voilà, parfait. Et je commence à comprendre un peu, là. Allez les faire au cac, là. En fait, c'est comme dans RE4. Tu fous un coup de pompe sur les mecs, et ensuite tu les finis au couteau. Et ça marche. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Hein. Allez, c'est parti. J'ai l'impression d'être super gourmand avec les munitions encore, hein, ça me saoule. Ah salope! Ah je suis trop con là! Ah ouais, non, c'est pas une bonne technique en fait. Ils sont trop rapides pour moi en fait, ça sert à rien de faire ça. Ah, je pensais que j'allais trouver un truc et que j'étais intelligent. Chier. Ah mais on dirait qu'il marche à chaque fois alors que c'est juste la physique qui fait de la merde. En vrai, prends ton temps pour tirer. Mais ouais, mais ce qu'il y a, c'est que... Des fois, t'as des situations où t'as trois mecs qui te foncent dessus, moi je tire dans le tas. Hein. Ça fait peur quand même. Hein. Je pense que vous en êtes rendu compte. Ah putain, je déteste ça. Putain, le son dans ces parties-là, c'est tellement bien. Et ouvre. J'ai combien de temps là? 50. Je loot, hein, je profite. C'est bon? Ok, let's go. Mais vraiment, mais le sound design du jeu, putain. Et ça, c'est sorti en 2008? Je ne vous crois pas. Ah, les souvenirs quand même, hein. Oh, j'avais oublié cette salle. Oh, j'avais oublié cette salle.
Alors, je me souviens plus ce qu'il faut y faire exactement, mais je sais que c'est chiant. Allez, c'est parti. Votre compteur munitions clignote en rouge si vous ne pouvez pas sauter une surface. Ok. Alors. Il faut un truc comme ça. Voilà. Ensuite. J'ai cru voir des munitions dans le coin là. Je me trompe ou pas? En tout cas, il y avait quelque chose à ramasser, ça c'est sûr. Ah, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, des crédits, parfait. Ok, où est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Que dois-je faire? Elle est là? C'est tout? Ah ouais, apparemment. Je pensais qu'on avait plus de choses à faire ici. Défibrillateur. Bien. Vous avez trouvé. Utilisez ça avec la thermite pour détruire la barricade. Merde. Attendez, c'est les voisins qui font des travaux ou c'est Emmanuel qui utilise le dragon dildo là? Oh non, ça c'est pas Emmanuel. J'ai eu peur un instant, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Allez, saute là-bas. Tu vas te barrer, oui? Sale con! Oh, le bâtard. Encore? Mais attends, mais ils sont super solides, par contre. Allez, donne, donne ce que t'avais sur toi, par contre. C'est pas vrai. J'ai là. Très, très gourmand, le voisin. Ah, mais c'est un buffet, là. Il doit être plusieurs, je pense. J'arrive pas à me rendre compte comment je suis au niveau des boulettes, par contre, là. Ah bah, on est bien. En vrai, on gère pour l'instant. Hein. Difficile, difficile. Bon. Easy peasy, hein. Putain, cette arme-là, par contre. Ça découpe sa mère, là. Voilà, parfait. J'aime trop cette arme. Alors, on se barre de là. Oh les bâtards. Sortie zone sans air. Ok, on est bon. C'est bon là, rien de plus. Faut que je fasse tout le mi-tour là? Oh, des questions, je repasse ça, je sauvegarde. Ok, c'est bon. Ce qui m'énerve, c'est que là, je peux pas tomber, techniquement. Et non. Écoutez, on va courir. Je pense que s'il y a d'autres ennemis qui arrivent, je cours. Allez, on court. Je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu. On descend. Allez, on s'en va. Oui, 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 vous êtes super, là. J'ai pas envie d'utiliser mes munitions. Qu'est-ce qui se passe là? Ah! C'est quoi ça? Ah, j'avais oublié ces merdes là! Et oui, c'est pour ça qu'il faut le lance-flamme.
Oh les Morbac. C'est bon là? On est tranquille deux secondes? Ouh! Là, l'animation c'était... C'est les débuts de Théorus hein. Attention quand même. Alors, est-ce qu'on a des choses à vendre? Schéma balles d'assaut. Amener ce schéma au stock pour obtenir les balles d'assaut. Ça va m'économiser une petite place, on va faire ça. Faire un petit peu de tri aussi. J'ai combien de fric? Est-ce qu'on se prendrait pas une autre arme, les mecs? Ah, je te le dis, je te le crie, j'ai quand même un peu envie, hein. On a le trancheur, le cutter. On a des munitions dedans. On va jarter ça. En vrai, la stase, je m'en sers pas. Recharge d'air. Ça, ça sert à quoi? Composant électronique de valeur, vendez-le au stock. Ah, mais ça sert strictement à rien, en fait. Bah, c'est tout bénef. Coffre. Il me manque des soins. Je rappelle que Théorus a refusé de danser en slip à la NIF Caca Box. C'est vrai que moi, je l'ai encore là, là. Je l'ai ici, là. Je dis ça, bon. Je vais rien dire. Allez, on va prendre l'arme d'assaut. C'est vraiment par pur plaisir. Kit 200, on va en retrouver. Je vais juste prendre celui que j'avais dans mon coffre. Quoique, est-ce que j'ai de la place? Ouais, allez, j'ai de la place quand même, là. Allez, on va dire que c'est bon. Alors du coup, cette arme-là, j'en ai vraiment un mauvais souvenir, mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'au final, c'est banger. C'est quoi le tir secondaire de ça, vous savez ou pas, les gars? Que j'utilise pas dans le vide. Le secondaire est à chier. Bon. Je pense que je vais arrêter de poser la question, puisque chaque fois que je vous demande ça, vous me dites toujours que ça pue la merde. Tu tires en toupie. Je tire en toupie. C'est-à-dire... Voilà, qu'est-ce que ça va être encore? Ici l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. C'est pas ma meuf ça dans le jeu? Personne ne veut nous dire ce qui se passe. S'il plaît. Nous ne sommes pas équipés pour soigner ces... Non. Mettez-le sur la table. Tenez-le bon sang. Tenez-le bien. Merde. Fin de transmission. C'était Nicole, hein. Je ne sais pas de quand date. Petite vanne, les gars. Monsieur et Madame Paton Zizi ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Nicole. Ce message. J'arrête là. Et elle doit être quelque part ici. Allez, donne-moi des munitions pour la mitrailleuse, là, s'il te plaît. So we are full. Yeah, j'essaye. Hein. J'essaye différents types d'humour pour voir comment vous réagissez, mais... Oh putain. Bah écoute, c'est l'occasion parfaite, je voulais essayer cette arme-là sur ces petits connards, là. Merde. Ça m'a pas l'air bien... Ça m'a pas l'air bien efficace. Oh là là là, mais la visée est horrible avec ce truc. Bon allez, sors-les tes queues là! Toi aussi, vas-y. Oh là là, ça crie cette histoire là! Ça n'arrête pas! C'est insupportable! Tant trancheur, faudrait peut-être que je m'en serve un peu de ce bousin quand même. Attends, je viens d'où moi? Je viens d'ici, non?
shoot dans le bébé. Ouais, c'est vrai que c'est efficace, mais bon, il m'enlève quand même un petit peu de vie, donc... On enlève même pas mal, ces cons-là. Pas le lasso, ok. Là, on va être pas mal. Il recharge, mon pote. Il y a quelqu'un qui tourne en ASMR, là. J'ai horreur de ça, hein. Oui, il y a bien quelqu'un qui chuchote, là. On est bon. Amourante. Oh putain, je suis tombé sur un... Je crois que je vous avais raconté, hein. Mais je suis tombé une fois sur un live d'Amourante où elle lèche les fausses oreilles, là. Qui prend du plaisir à écouter ça? Qui prend du plaisir à écouter ça? C'est horrible le son que ça propose, sincèrement. Ouais, vrai banger quand même, hein. 12 ans après, je parle pas des lives d'Amourante. Je parle de Dead Space, hein. Je vais jouer un peu avec le trancheur là, je vais varier les plaisirs. Allez, ramenez-vous à plusieurs là. Vas-y, essaye. Essaye de m'avoir. Oh merde, je suis trop con, j'ai fait le tir secondaire. Ah oui, c'est... Quand vous me disiez que c'était rincé, je pensais que c'était quand même un petit peu mieux que ça là, c'est... C'est terrible quand même. Verrou de force. Est-ce que les gars, je... C'est bien ce que je pensais. Mais cours ! Ah, il est con des fois, Isaac, là. Il s'arrête en plein milieu. Ah, j'ai envie de l'utiliser, le point de force, hein. J'ai envie. Là, c'est que j'ai pas grand-chose... Ah, oh, j'ai quand même de la place. Combien que j'en ai? Comment on change de... Comment on change de menu? Ah, carte. Mission donnée. J'ai un point de force. C'est pas folichon, hein. Mais j'ai quand même envie de tenter, les gars. Déjà, rien que pour avoir du soin, je pense que ça peut être bien. Alors, balle d'assaut. Trancheur, énergie plasma, balle d'assaut. Schéma pour les munitions de trancheur. Ça, c'est bon. On pourra en crafter, quoi qu'il arrive. Énergie plasma. Bah, alors là, on a juste trop de munitions, en fait. Voyons voir ce qu'on a. Je vais prendre ça quand même. Non. Ouais, munitions, trancheurs. Je peux peut-être utiliser un petit peu ça. Genre pendant un chargeur. La prends ce caméra. À 90%, c'est rentable. Ah, en vrai, là, c'est quand même rentable parce que j'ai découvert le craft des munitions d'une arme. Donc, vu que quand même, on a quasiment toujours du... fric dans le jeu. Bon, c'est intéressant, quoi. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je m'appelle Hélène Fiske. Je me réveille juste d'hyper-sommeil. Je suis seule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde est parti. Oh, je te cache pas que s'est passé quelques petits trucs, hein. Si vous me recevez, la bonne dame. J'entends comme des rats dans les murs. Alors toi, je te coupe les bras. Oh, en vrai, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Encore ? Elle est quand même bien, cette arme, hein. Oh, le trancheur, c'est quand même une expérience, hein. J'aime beaucoup. Et ben voilà, parfait.
En plus, je ramasse les dents de trancheur. C'est tout, les gars, là? Est-ce qu'on a encore du stuff ou pas dans le coin? Parce que... Ah, j'ai quand même pas grand-chose. Hein. Enfin, j'ai trop de choses. J'ai peur de tomber sur une dinguerie en objet et de devoir laisser des trucs derrière moi. Ça m'emmerderait, par contre. Allez, on va voir. Docteur Maboul, je suis là, madame. Je suis ici. Bon. Quelque chose me dit que ça s'est pas passé comme prévu, cette histoire. Oh. Allez, on save. Écoutez, pour l'instant, je suis content parce que le difficile, je le sens pas trop. Enfin, je le sens pas trop dans le sens où je trouve pas ça non plus hardcore de chez hardcore. Peut-être que je parle trop vite, encore une fois, et que je vais me faire karma. C'était stylé, ça. Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Ah, je déteste ces bestioles. Ok, parfait. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Wayland, psychiatre de la colonie, m'a indiqué que ces analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Difficile, c'est ta vie ou aussi la fréquence des munitions? Bah c'est tout, hein. C'est tout, hein. Déjà que je prends un coup, je perds un quart de vie, voire plus, des fois. Ok. Oh putain, c'est vrai que j'avais oublié les corbacs. Ils sont insupportables. Ils sont énormes en plus. Hein. Alors toi, t'es mort là ou pas? Et tu m'emmerdes toi là, oh! Je savais même pas s'il était mort à cause de la physique l'autre. J'ai dépensé combien de munitions là? J'ai fait le con. J'ai fait grave le con, je pense. Du capitaine. Rendez-vous au tram, je vous contacte là-bas. Je veux en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Ah, ça va, j'en ai encore. J'ai eu plus de peur que de mal. Prendre force. Ça me plaît. Ok. J'ai faim, putain. J'ai une paella du traiteur qui est au frigo, les gars. J'hésite à aller la réchauffer et aller la déguster avec vous. Hein. Je vous le dis, je vous le crie. Hein. Je pense que dès qu'on aura fini l'épisode 2, on se fait une petite pause cantine. Avec grand plaisir. On partagera ce moment ensemble. Alors, attendez, juste deux secondes. J'y suis déjà allé ici, on est d'accord, non? J'y suis déjà allé, je crois. Hein? Oui. Oui, j'y suis déjà allé. C'était sûr? Oh la vache, vous êtes costaud quand même, monsieur, hein? Le nombre de balles qu'il faut pour eux, là? Fais toujours flipper ce connard, tu peux pas juste mettre une sonnerie avant? J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage.
J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis s'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. D'accord. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on dévide notre... Je vais devoir aller faire un petit aller-retour encore. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Ça marche. Je m'en doutais un petit peu, très cher. Alors jusque... Deux secondes, je réfléchis. Est-ce que j'ai des petites choses à acheter au stock, là? Il manquerait plus que le lance-flamme pour finir ma panoplie. Donc ça, c'est bon. J'ai 20 000. Les gars, je commence à... avoir un petit peu de moula. En vrai, je pense que ça sert à rien d'acheter pour l'instant le lance-flamme parce que j'ai tellement un inventaire petit que... je vais avoir que des munitions dans mon inventaire et ça va me saouler. Par contre... on peut peut-être revendre des choses. Ça, en vrai, je pense que ça va me servir... ça va vraiment me servir à rien. Oui, oui. Je vais prendre un petit kit de sang avec moi. Et on sauvegarde. Je vais garder des sous pour pouvoir m'améliorer la combinaison au prochain épisode. Enfin, je sais pas si c'est maintenant, mais... je vais en garder un peu quand même. Alors. Je vais reprendre le tramway tout de suite, là. C'est mes gâteaux, non? Ah bah ouais. En fait, si. Ah bah c'était rapide. Tu peux avoir un inventaire plus grand plus tard? Bah ouais, on l'a déjà amélioré une fois notre inventaire. Donc tu... je suppose qu'un petit peu plus tard, ce sera possible. J'espère assez vite quand même, parce que je trouve vraiment ridicule l'inventaire, là. C'est vraiment tout petit, je peux rien mettre. Alors, Isaac... Isaac, on a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. D'abord, les moteurs sont à sec. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Encore une mission pour Isaac. Alors juste... je vais ramasser un peu ce qu'il y a là. Ah, j'en ai déjà beaucoup de ça, hein. Est-ce qu'on a un nouveau petit Nexus, là? Eh ben parfait. C'était pas si compliqué, les mecs. Des crédits. Je vide absolument tout, là. Comme ça, ce que j'ai en trop, je m'en débarrasse dans le stock. Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Temple. Ça fait 2 jours qu'ils ont cassé cette planète et que Matthew est mort. Ça fait beaucoup quand même là. Attends, calme-toi. Ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus, différents. Ils sont là pour nous tuer, jusqu'au dernier. Rucker a disparu ce matin. J'imagine qu'il est déjà mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un œil sur eux, mais pour l'instant on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Alors, voyons voir ce que je peux laisser dans le stock pour qu'ensuite je sois tranquille. Énergie plasma. Voyons voir, j'en ai déjà beaucoup. En vrai, je pense que stase, ça me sert strictement à rien. Je vais le déplacer pour l'instant. Il y a toujours un truc pour recharger à proximité, donc pourquoi je m'emmerderais à en transporter un? Lance-flamme, on a dit qu'on laissait.
Ouais, voilà, on va attendre le reste, hein. Voilà, j'ai 4 places, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est parfait. Accepté. Oui. Du coup, la suite, ce sera... ici. Bon, les gars, je vais me faire... je vais faire un petit pipi. Je vais me réchauffer ma paelle, là. Et je vous retrouve tout de suite après. Vous restez sages, hein. Vous discutez entre vous, les gars. Je vous laisse avec l'ambiance du jeu. Je vais faire mon pissou et réchauffer ma paella. Je reviens tout de suite. Bon, j'ai changé de plan. C'est vrai que la paella, ça fait peut-être un petit peu plus de 2 jours qu'on l'a. Du coup, je me suis dit, j'ai réchauffé ce que j'ai fait hier. Donc là, les gars, c'est les télécantines de Sir Thomas. Hein. Je sais pas si ça vous intéresse. C'est vrai que ça... Putain, ça a l'air vraiment dégueulasse de visu. Mais je vous assure que c'est bon. Hein. Ça va vous dégoûter, hein. Mais c'est très très bon. C'est très très bon, je vous explique. C'est des pâtes avec une sauce au lait de coco, purée de tomates, une cuillère à café de... comment ça s'appelle ? De pâtes de cacahuète, des épices, curry, gingembre,
J'y mets un petit peu de curcuma. Et c'est délicieux. C'est très très bon. Ah, et j'ai mis un petit peu aussi de pousse de soja parce qu'il y en avait et ça périmait. Donc je me suis dit, allez, je vais les faire. Est-ce que c'est... C'est assez chaud. Et j'ai pris ça, j'ai trouvé ça dans le frigo. Je me suis dit, allez, je prends ça. Ça me donnait un petit peu d'énergie pour la suite. Et tu m'étonnes que ton ventre a explosé. Eh les gars, vous me dites ça comme si je bouffais une tartiflette, les gars. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Un petit peu d'exagération de votre côté, quand même. Hein. Ouais, je vais peut-être mettre un peu de la musique, là, que ça zouk, parce que sinon... Ça va être tristoun, un peu. On dirait que je vous ai dit, les gars, là, je mange ma troisième tartiflette de la semaine. C'est des pâtes, avec une sauce avec du lait de coco. Même pas du vrai lait, les gars. Donc pas de lactose. Des petites tomates et des pousses de soja. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans, hein? Il y a masse de trucs, je trouve. Eh ben, mange juste tes pâtes, coquillettes, jambon, et puis c'est tout, hein? Moi, je tente des choses, les gars. Attendez que je me remette devant. Comme ça, j'aurai le chat. Petite pause cantine. Je vais mettre ça dans le titre. Et le beurre de cacahuète dans les sauces, c'est délicieux, hein? Vraiment. Pause cantine. Puis, on reprend Dead Space. Hop là. C'est parfait. Je suis cuistot. Je trouve ce plat très bien. Bon appétit. Du coup, à chaque fois que maintenant que je vais dire un truc qui défie un peu... qui défie un peu la chronique, faut qu'il y ait un mec qui fasse ce métier dans la vie pour me rassurer. Je suis acteur porno, tu fais très bien l'amour. Quel goût, mesdames et messieurs. Je vais me forcer. Je suis désolé, hein. Je vais me forcer à manger doucement, parce que... Vous savez pas à quelle vitesse je baffre, moi, personnellement. C'est très très mauvais, ça, hein. Mais je pense que ça fait partie aussi de... des raisons pour lesquelles je suis... je gonfle très très vite du ventre. Je prends pas assez le temps de savourer. Je fais que de mâcher, en fait. Et ça dure souvent pas très longtemps quand je mange, hein. C'est vrai que c'est bon. Et puis j'ai mis des pâtes. En fait, c'est un plat où j'ai mis que des restes. Les grandes pâtes, c'était des restes de pâtes. Les petites pâtes, les orecchiette, c'est des restes de pâtes. En fait, il n'y a que des restes là-dedans. C'est très très bon. Bon, du coup, vous kiffez le jeu ou pas, là, pour ceux qui connaissaient pas? Franchement, moi, je le redécouvre. Je me rappelais pas que c'était aussi bien foutu, en fait. Vu que le jeu, il a plus de 10 ans, je suis quand même sur le cul. Hein. C'est vachement qualitatif. Hein. De toute façon, les gars, je vous ai dit, on va rejouer encore, là, après. Je vous ai pas promis de le finir en stream. Hein. C'est juste que c'est la Halo Week, donc autant en profiter et faire des petites choses qui font peur. D'ailleurs, je sais pas si demain, vu qu'on fait le react de... du State of Play... et que c'est à 23h, est-ce que au début du stream, on se fait autre chose? Mais genre un truc qui fait peur, genre un petit react sur des vidéos d'horreur, ça peut être pas mal aussi, tu vois. Je sais pas. Je me cache, hein. Parce que déjà avec les bruits, ça doit pas être trop ragoûtant pour vous. Ça y est, les gars, vous pouvez changer de disque. Hein. Si vous me ressortez la vanne dans une heure, je pense que ça me fera plus rire que si vous n'arrêtez pas tous ensemble. Allez, les gars, de l'effort. On va réussir à être un chat drôle. On va réussir. Par contre, il y a une séquence dans le jeu. Ou alors, c'est peut-être... Non, c'est peut-être dans le 2, ça. Je me rappelle d'une séquence dans le jeu où... il y a une espèce d'énorme... cathédrale et il y a plein de bébés qui nous foncent dessus. Ah non, en fait, ça doit être le 2. Hein.
J'allais continuer. Vous m'avez fait rire, c'est bon. Ça a marché. Ça a marché un petit peu. Vous m'avez fait rire. J'ai vu ce jeu-là, l'outre. Je l'ai vu, Poppy Playtime. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup? Genre, vous pensez que ça peut être drôle si je le fais? Vous pensez que c'est caca? Ça dure pas trop longtemps, en plus. En vrai, peut-être qu'en pré-live, juste avant le State of Play, ça peut passer. C'est sur Steam, l'outre, ce jeu-là, ou pas? Poppy Playtime. C'est assez court, il y a des mini-énigmes, c'est sympa. Ouais, mais c'est assez court, genre... En une heure et demie, ça se fait, ou... Parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait. Si je peux le finir avant 23h, tout en lançant demain à 21h30, ça peut être bien. C'est que le chapitre 1 pour le moment. Ah ! Donc ça fait 4€ sur Steam, dure 20 minutes. Très simple, très précis, ça me va comme réponse. Ok, bah go, hein, on fera ça, hein, pourquoi pas. Non, putain, je me régale. Tu vas jouer avec... tu vas jouer à Alien Isolation dans la semaine. Arrêtez avec ce jeu. Ah, je sais pas pourquoi, je sais pas vous, hein, mais Alien Isolation, ça m'a vraiment déçu, ce jeu-là. Je trouve ça chiant. Chiant comme... J'ai oublié la suite de l'expression, mais je trouve que Alien Isolation, c'est vraiment chiant comme jeu. Donc, non, j'y rejouerai pas, non. Et je trouve que c'est même un mauvais jeu d'horreur, Alien Isolation. Je trouve que le rythme, il est pourri. Le gameplay, pourri également. Chiant comme la pluie, putain, merci les gars. Heureusement que vous êtes là. Hein. Sur l'échelle de Death Stranding, c'est trop subjectif pour moi, ça, les gars. Je pourrais pas vous répondre. C'est très bizarre de manger lentement, parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai déjà plus faim. Ça m'emmerde, j'ai encore envie de bouffer, mais... Mentalement, j'ai moins faim. Alors qu'une bonne story... Oh putain, c'est vrai que... Mais putain, mais c'est vrai, les custom stories sur Amnesia. À l'ancienne, ça. Ah. Ça, c'est que j'en ai fait tellement que... Il y en a encore des gens qui font des custom stories Amnesia ou pas du tout? Parce que si on a des nouvelles, en vrai, ça m'intéresserait, hein. J'ai passé tellement de temps sur ce jeu, bah, au début de ma carrière YouTube, au final. Mais je crois que toutes les bonnes custom stories ont déjà été faites, hein. Je me rappelle d'un forum à l'époque qui les répertoriait. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait encore des gens qui en fassent, hein. Ah, peut-être en vrai sur le Steam Workshop, il y a peut-être des trucs. Le jeune Hugo en mode et les gens que des souvenirs. Ah, arrêtez de me parler de ça. Ça me met mal à l'aise. Bon, répondez surtout pas, bande de connards. Vous êtes au courant que je vous parle ou pas? Rocket League un jour ou pas? Bah attends, mais si Amnes, depuis tout à l'heure, tu poses des questions à la con à quand prochain live avec Link etc. Rocket League, tu vas voir Link en live. Hein. Moi, je m'en bats les couilles de ce jeu-là. Ah, je touche plus à ça. Ça m'a tellement fait rager à l'époque que... Je pense que je le relancerai pas de sitôt. Hein. Ta gueule, Takashi. Il me faut un certain temps pour l'estomac. On voit le signal de cécité au cerveau. C'est pour ça que l'on dit que manger lentement fait maigrir. En fait, j'aurais dû arrêter. Mais je suis pas gros. Attends, mais tu viens de dire que je suis gros, en fait, Jaco. Tu viens de m'insulter, espèce de sale con. Non, ça va pas du tout, là.
Ouais, j'ai plus entendu satiété que cécité, parce que cécité, ça me dit... je crois pas que ce soit employé pour ça. Cécité, c'est pas ça. T'as mis tous les combos folleurs, là. C'est pas mauvais, hein. C'était tout nouveau, ça, donc je me suis dit, je vais tester. Ça s'appelle Rockstar. Pour tous les vrais mecs qui jouent de la guitare, Rockstar. Original sans sucre. En vrai, c'est Monster, mais... Ça, c'est un peu moins bon que, qu'une Monster, quoi. Mais c'est une Monster. Après, gros, c'est pas une insulte, faut savoir s'accepter. Hein. Ah, mais tu crois vraiment que je l'ai mal pris? Tu me réponds comme si t'étais mon psychologue et puis tu me rassurais. J'en ai rien à foutre. Hein. C'est bon ça. Ranking de boissons énergétiques. J'en ai pas assez bouffé dans ma vie, mais... Je sais juste que la Dark Dog, c'est pas bon. La Crazy Tiger, c'est vraiment pas ouf. Et sinon, moi, j'ai toujours bu des Monsters, donc... je pourrais pas vous aider, les gars. J'ai jamais testé, même la Kong Strong de Lidl, j'ai jamais essayé. Pourtant j'y vais hein, chez Lidl, je fais mes courses là-bas. Bon pas que là-bas, mais une partie de mes courses chez Lidl. Ouais je suis désolé les gars, je vais aussi chez Casino et Carrefour. J'ai un peu pris en... je sais pas, je deviens un bourge, je prends moins de choses chez Lidl du coup. Ouais. De toute façon c'est pas bon hein, les boissons énergétiques de base. Hein. Là, c'est juste que j'avais envie de boire un truc vraiment qui pique et qui soit sucré. Parce que j'avais plus d'eau. Bon, faut pas que je fasse tomber ça, hein, mais j'ai mis mon essai derrière moi. Merci pour le sub, Licorne, c'est très gentil. Et merci Zerod tout à l'heure, je sais pas si je t'ai remercié. Pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah, maintenant, on digère. Et on discute tranquille. Ah, ça fait du bien. Putain, mais c'est tellement propre là, cette nouvelle DA là quand même, je suis quand même content, c'est pas mal du tout. Ouais. Vrai bonhomme voit du sirop de violette. Alors par contre tu sais que moi j'adore ça. Hein. Le sirop de violette c'est délicieux. Hein. Faut démystifier le fait que ce soit dégueulasse. Hein. Quoique non, attends je confonds. En fait je fais peut-être partie de la team dégueulasse violette. Ah non, c'est le sirop de rose que j'aime pas. Par contre le sirop de violette j'aime bien. Des projets tatou, oh là là, oh là là. Eh les gars, arrêtez, hein. On peut se poser 2 minutes aussi, et ne pas avoir tout le temps des projets. En vrai, là, je suis content, je suis bien. Pas envie de me faire tatouer pour l'instant. En fait, ce qu'il y a, c'est que si je veux me faire tatouer, la prochaine fois que je veux me faire tatouer, je sais que ce sera une grande pièce. Je voulais me remplir un bras ou je voulais me tatouer les mains aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que ça me ficherait peut-être dans... On ne sait pas si dans 5 ans, je veux faire caissier chez Lidl, justement. J'ai trouvé ma vocation, je veux arrêter d'être streamer. Et je veux faire caissier chez Lidl. Est-ce qu'on veut m'accepter si j'ai marqué saucisson sur la totalité de mes doigts, là? On va le prendre comment? Des projets d'enfants. Mais arrêtez, mais vous voulez que... Vous voulez que je devienne quelqu'un qui est 45 ans, là, alors que j'ai 20 ans de moins? Ça suffit. Ah non, pas d'enfant. Hein. Je vous le dis tout de suite, les gars, c'est peut-être un peu égoïste de ma part, mais je ne veux pas d'enfant. Ça prend ton temps, ton fric, ça chie, ça chiale tout le temps, ça casse les couilles. Bon, et puis il faut espérer, parce que tu peux très bien l'éduquer, et il peut très bien mal tourner, donc je préfère avoir un chat. Au moins, s'il est mal éduqué et qu'il est un peu chiant, ça dure qu'une quinzaine d'années. Voilà, hein. Donc bon. Je préfère avoir des animaux que des humains. Hein. Sincèrement. Hein. Emmanuel en pense quoi? Elle est d'accord avec moi. Prenons des chats. En vrai, je préfère avoir 2 chats et un petit chien plutôt qu'un enfant. Tu regretteras, je pense. Non, je t'assure que non. Mais ça, c'est insupportable aussi. Hein. C'est comme les mecs qui disent aux meufs
Mais tu, ça va venir avec le temps. Tu voudras forcément avoir un enfant. Mais non, ça existe aussi les gens qui veulent pas d'enfants. Un petit chien, ça d'accord. Il y a aucun souci. Un petit toutou, je veux bien. Deux petits chats, ça me va. Un enfant, c'est non. Vraiment, c'est non. Si j'ai un enfant par accident, ça durera 6 mois. Il finira au congélo. Alors ça, c'est différent. Il y a des gens qui sont allés en prison pour ça, t'es au courant. Hein. C'est pas comme des potatoes de McCain. Hein. Oh la vache. Je me suis chié dessus, là. Bébé à bord. Alors attendez, là, il y a eu quelque chose. Le sound design, c'était le son du sub. Hein. Quelqu'un s'est sub, les mecs, non? Oh la vache, go toilette. Non mais, tu dis ça comme si j'étais à côté de toi. Go toilette, non? Non, ça va. Hein. C'est juste que là, j'ai le bide qui est gonflé, les gars. Faut que j'évacue. Ça fait quelques heures que je suis assis, faut que j'évacue. Hein. Quelqu'un a clippé ça parce que je suis inquiet quand même, là. Je vais pas checker... Je vais pas checker le slibar en stream, mais quand même, juste... C'est peut-être pas une bonne idée, la pause cantine. Hein. Je pense que je vais changer le titre, ce sera pause cantine, puis on va au lit. Parce que là, j'ai mal au ventre d'un coup, là. Go toilette. Le go toilette, non, m'a fait rire. Faut aérer la pièce là, mais c'est bon, t'inquiète, y'a la clim. Ah non, non, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Ah, ça commence à se bousculer là-dedans. C'est pas la période des diarrhées. Bah, en général, je touche du bois. Hein. Voilà, je touche du bois, mais en général, je suis pas malade en hiver, mais je suis malade après. Alors, voyons voir quand même l'état. L'état général du son. C'est pas comme des... il y a un petit bruit après. Attendez. J'en rajoute. Il y a un petit bruit après. Il fait E-Queen. C'est pas comme des potatoes de McCain. Hein. Oh la vache. Attends, mais j'ai vraiment 65 ans. C'est les mêmes proutes que ma mamie. Il y a un problème, je pense, les gars. Mais je vous dis, il faut que je consulte. Hein. En plus, c'est même pas la clope. Ce que je comprends pas, c'est que c'est même pas la clope. Parce que Docteur Dago, de la Cacabox, donc Dagobert, m'a dit que c'est peut-être à cause de la clope que ton bidou, il gonfle et que tu fais d'énormes proutes. Mais en fait, non, c'est même pas la clope. Je n'ai pas fui. J'ai tiré 3 fois sur ma clope depuis que je suis en stream. Je sais pas. Très, très bizarre. Bon. Allez, fini les conneries, on va reprendre Dead Space. Ça va parler de prout, hein, ça suffit. En tout cas, je ne sais pas vous, mais sachez que moi, dans mon petit studio, là, je voyage. Ah, il va peut-être avoir une pause technique à un moment. Je vous le dis tout de suite, hein. Je préfère vous prévenir... Un petit peu en avance, je suis d'accord, mais je préfère vous prévenir. Ah, le live horreur va prendre une toute autre signification grâce à ce stream. Bon, on est d'accord qu'on avait sauvegardé, ceci dit. Parlons d'autre chose deux minutes. Vous voyez, on avait sauvegardé. Oh la vache, les gars, j'ai un mal de bide incroyable. Je ne sais pas ce que j'ai, hein, sincèrement. J'ai une maladie, je pense. Hein. Mais alors quoi? À chaque fois que je mange, à chaque fois que je consomme quelque chose, j'ai le bide qui gonfle, j'ai mal au ventre, je pète. Faut arrêter au bout d'un moment. Ah oui, bah toi, n'en rajoute pas, c'est bon. Bon, faut crever au bout d'un moment. C'est trop, là, c'est trop. Je dois aller par là, je vais peut-être faire le tour pour checker s'il n'y a pas un truc au-dessus.
Intolérance au gluten? Bah j'y ai cru, enfin... J'y ai pensé un moment, mais... Là, c'est qu'à chaque fois que je vais voir un docteur, il me dit « Mais non, mais... Vous n'avez rien au ventre, monsieur. Prenez un petit peu de charbon, faites une cure, c'est rien. » Il s'arrache ses dents, ça ira. Bon, alors, est-ce que je peux prendre un truc ici ou... C'est tellement chiant le fait qu'il y ait de... un ragdoll du coup multiplié sur PC parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours des bestioles partout alors que pas du tout. C'est pas normal. Bah merci Einstein, hein. Je sais, hein. Justement, c'est pour ça que... Faut que je trouve un expert du paix. Je sais pas si ça existe en France, un docteur du paix. Il faut que j'en trouve un, sincèrement, très très vite. Hein. Faudrait que j'aille chez le gastro-entérologue directement. Hein. Ouais, faudrait que je fasse ça en vrai. Je prends le clip que j'ai pris tout à l'heure. Je lui envoie photo du bide, plus je lui fais écouter le P. Tout de suite, il va se dire, c'est bon, je sais ce que vous avez, monsieur. Non, 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 on est plusieurs là-dedans. Il y a quelque chose. Ah. Il y a sincèrement quelque chose. Merci pour le sub, chat. Chata the Bear, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Attendez, ça du coup je peux le choper? Eh, hey, mais ouais je peux le choper, mais attendez, mais c'est trop bien ça. Si ça se trouve, il y a des trucs cachés en fait qu'on a zappé depuis tout à l'heure. Voyons voir si j'ai assez de munitions. Ah bon, on est bon en fait. Non mais je sais que j'ai quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? C'est une autre question. Il y a une maladie en tout cas, il y a... J'hésite, hein. J'hésite vraiment à aller voir directement un gastro-entérologue pour lui demander, mais monsieur, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Ou madame, d'ailleurs. Attends, je le savais. T'es rapide, toi. T'es mort, déjà? Attendez, c'est tellement aléatoire, là, d'habitude, il leur en faut je sais pas combien, des balles. Réponse du gastro-entérologue. Ça, c'est un P de catégorie 7. Non, mais je suis sûr qu'en plus, ils ont des... Ils doivent avoir les docteurs Prout. Bon, la conversation du stream, c'est catastrophique. Non, il y a un problème. Ils doivent avoir une échelle de Richter, genre... un truc. Pour décrire justement la force du P, mais... Est-ce qu'ils la partagent avec les patients? Je ne suis pas certain. Anomalie macro-PK requis. Allez, ramène-toi! Ben voilà, parfait! Attendez, je vais juste visiter ici. ABC. ABC quoi? Plein d'énergie activé. Ça servait à quoi cette histoire? Je sais pas du tout à quoi ça sert ce que je viens de faire. Attendez, je vais visiter là-haut quand même. Voilà. Et là, il est beaucoup plus solide que la normale. Ah ! Oh putain, je savais que je l'avais pas assez touché. Voilà, merci. Oh, il m'a surprise, débile. Ah, c'est pas du tout la suite, ça, en fait. Au risque de te savoir, non, il n'y a pas d'échelle de Prout en médecine, mais il y a l'échelle du caca qui s'appelle l'échelle de Bristol. Eh ben, on en apprend tous les jours. Mais attends, l'échelle du caca, ça veut dire le calibre, la longueur, c'est ça?
Ou alors c'est simplement... Qu'est-ce que ça note en fait? La consistance, le goût. Bon, vous êtes dégueulasse. Pour de quoi ça se mesure en courax? Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Vous habitez vraiment en France, là? Vous êtes humain? Attendez, là, parce que là, je suis dans la merde. Je discute de caca depuis tout à l'heure, mais... Alors, je vous extermine. 2 secondes. Ils sont pas tout seuls. Ah mais c'est les méga eux, ils sont chiants. Bon, tu me fais chier. Voilà, ça dégage. Ok, propre. Alors, par contre, j'ai un petit doute, si ça se trouve, la pièce qu'il y avait de l'autre côté, j'aurais pu y aller, hein. La pièce qu'il y avait tout en haut. Ah, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Oh, je pense qu'on y retournera après. On y retournera après, je pense. Message important, Temple rapport. Quelqu'un a coupé l'alimentation du moteur principal et il a bousillé les soupapes. Il faudrait les réparer avant de les rouvrir, mais on manque clairement de temps. Sans moteur en état, nous dévierons de notre orbite d'ici 10 heures. Je ne comprends pas qui a bien pu faire ça. Si c'est un de ces enfoirés du Nidologue 5... Oh, j'ai quasiment plus de place, putain. C'est ma combustible. Putain, faut que j'utilise aussi ça. Les jambes puis les bras, faut viser la tête. Non mais attends, mais tu me prends pour un con ou quoi? Ça fait 2 heures qu'on joue. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je détruis d'abord les membres du bas, puis ensuite j'attaque la tête quand il reste plus rien. Les gars, au bout d'un moment, c'est comme si j'étais à la moitié du jeu Guitar Hero et vous me dites... Alors attention, il faut appuyer en rythme hein, sur la guitare pour que les notes passent. On est vraiment pour des cons des fois, hein, quand même. Hein. Alors attendez, il y a un petit truc là par contre. Est-ce que je peux le choper comme ça? Eh ben voilà, parfait ça. Eh, je le savais que ça marchait aussi. Ça c'est pratique ce truc quand même. Hein. Alors c'est ici que je dois aller? Schéma découpeur. Oh, c'est le truc avec la tronçonneuse ça? Ah, de souvenir, elle est un peu nulle cette arme quand même, non? Plein d'énergie activé. Moteur principal prêt pour activation. Je crois que de souvenir, elle est pas ouf. Ça marche, Isaac. L'énergie est revenue. Les réserves sont pas pleines, mais si vous relancez le moteur, notre orbite devrait se rétablir. Qu'est-ce que... Fausse alerte. J'ai cru voir une ombre. Je vais sauvegarder quand même au cas où. Hop. Je vais visiter un peu dans le coin quand même, les gars. J'ai pas envie de rater des trucs. Oh, mais ça sert à rien, les modules de stase. Oh la vache! D'ici! Allez, shoot dans le bébé! Oh là, tu l'as mérité. Oh, ça, je prends pas, hein, c'est bon. Hein. Oh putain de merde. Allez, venez. Venez ici! Voilà. Quelque chose à ajouter, toi? T'as plus rien sur la gueule, laisse-moi tranquille, non? Voilà, merci. Oh, ils sont acerbes, ceux-là, là. Ils m'énervent.
Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Je repars. Pourquoi tu dis ça, Maïlza? On va y arriver, les gars, je vous le dis. Est-ce que t'es débile? Recharge tout au cas où, on n'est jamais trop prudent. C'est ma pièce, ça! Qu'est-ce que tu fais dans ma pièce? Donne ça avant, là. Où est-ce que t'es, bouffon? Alors toi! Voilà. Au moins on sait quand ils sont morts grâce à la technique du ragdoll, hein. C'est efficace, hein. Oh, c'est bon la musique, là? J'ai tué tout le monde, non? Eh, calme deux secondes, hein, parfois, hein. Oh, c'est qu'il y a encore une dinguerie là-bas, c'est sûr. Bon, je me pose au stock deux minutes, quand même. J'ai bien trop peur d'y aller tout de suite. Ouais, c'est le truc assis, ça pue la merde, on prend pas ça. Ça, ça dégage. On vend. Je vais vendre les 12 balles que j'ai en trop, ça sert à rien. Et on va vendre un petit kit de soins. Je suis comme ça, les gars. Désolé. Bon, par contre... Oh, celle-là, c'est sûr. Je comprends pas d'où ça vient, là. J'ai oublié un monstre. J'ai forcément oublié un boug, là. Et quelque chose que j'ai mal fait. Bon, désolé, attendez. Je sauvegarde. Ça commence à me faire peur, ces histoires-là. Bon, bah, apparemment, c'était juste un bug du jeu. C'est dit, je vais continuer à lui foutre la musique alors que ça sert strictement à rien. Tant pis. Là par contre, je vous avoue que depuis qu'on est revenu là sur ce chemin là, les souvenirs que j'ai du jeu... Là par exemple, ce qu'on vient de faire là, j'en ai plus aucun souvenir. Hein. Peut-être que ça va me revenir par période, mais là... Petite recharge. Oh, je m'en bats les couilles de ça. J'ai combien de place? Ouais, non, ça me sert à rien. Je suis tellement rapide que ça me sert sincèrement à rien, ça. Transmission. Allez, on va prendre ça. La centrifuge est arrêtée. Bon sang, on a un rocher de 4 milliards de tonnes collé au cul. Et sans la centrifugeuse... En vrai... Les rayons tracteurs vont nous faire tomber... Ah, j'en utilise un et j'en reprends un. Je vais me rendre là-bas, voir ce que je peux faire. Je suppose que je dois rentrer. Allez, donne-moi un point de force en plus, s'il te plaît. S'il me donne la possibilité d'augmenter mes trucs tout de suite, c'est que ça sent vraiment le coup fourré, là. Ça pue. En plus, ça me sert à rien, parce que j'ai qu'un seul point de force. Ouais. Quoique, si j'en achète 3,
J'ai beaucoup d'argent. Si j'en achète 3 à côté... Comme ça, je peux améliorer un truc. Et vous savez quoi? On va faire ça. Je vais prendre ces trucs-là, je vais les revendre. Je vais acheter des points de force. Comme ça, je pourrais améliorer quelque chose là-bas. On va faire ça. Un petit peu de théorie crafting, ça fait pas de mal. Voilà. Ah ouais, non mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était un truc de fou, franchement, à l'époque. Hein. 2008, le jeu. Mais justement, je vous ai dit, je vous ai parlé de... Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui est derrière le jeu, je crois que c'est... Schofield quelque chose. En tout cas, son nom de famille, c'est Schofield. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Si je tape sur YouTube, Schofield Dead Space, je vais trouver tout de suite. Schofield Dead Space... voilà, vous allez voir une vidéo qui s'appelle traduite en français, hein. C'est sur la chaîne de Ars Technica, et traduite en français, la vidéo, c'est comment la scène la plus effrayante de Dead Space a presque tué le jeu, histoire de guerre, voilà, et c'est sur la chaîne Ars Technica, ARS, plus loin Technica, c'est trop bien, vous vous rendez compte à quel point, voilà, Glenn, merci les gars, vous vous rendez compte à quel point le jeu c'était vraiment une putain d'innovation pour l'époque. C'est... ça a été fait par des fans de Resident Evil 4 et... Bon, je vous dis un petit peu ce qui est dit dans la vidéo, mais en gros, dans Resident Evil 4, vous savez que dès que vous attaquez, bah, vous pouvez plus bouger. Vous êtes obligé de tirer, et ensuite, de bouger. Ah, dans Dead Space, ils se sont dit, on va rendre le truc un peu plus dynamique, et ils s'en sont rendu compte qu'après avoir fait des phases de test, tu vois. Le fait qu'il n'y ait pas d'HUD aussi, c'est quand même une putain de bonne idée, ça rend le truc encore plus immersif. Ah, allez voir la vidéo, franchement, c'est vachement intéressant. Alors, attendez. Qu'est-ce que, du coup, on vend? Ça, ça dégage. On s'en fout de ça. Sincèrement, on s'en bat les couilles. Est-ce que je vendrais pas une stase? Et là, j'achète... J'espère qu'il y a plusieurs points de force. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Bon, au final, c'était intelligent, ce que j'ai fait. Comme ça, on va pouvoir améliorer un truc sur la combinaison ou sur une arme, mais je vous avoue que je sais pas trop quoi. Hein. Non, non, du tout, j'en ai... Je te dis, Dead Space 1, j'étais allé très loin quand j'étais jeune. Dead Space 2, je crois que j'ai jamais fini, mais j'y ai joué. Dead Space 3, par contre, je l'ai jamais fait, ça c'est sûr et certain. Juste vu des vidéos dessus. Oh là là, je me sens pas bien, les gars, j'ai mal au ventre. Hein. Ça va mal se passer pour ma guilde. Hein. Alors, les petits points de force. Voyons voir l'histoire. Et du coup, on est d'accord que si j'améliore, il n'y a pas moyen d'améliorer sa combinaison via ça pour que ça améliore notre vie. L'amélioration de la vie. Ça se fait dans le shop, quoi, dans le stock. Ouais, c'est ce que je disais au début du stream, Alex. J'ai aimé plus jouer à un jeu d'horreur parce que je suis un gigatrouilleur, mais Dead Space, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est dinguerie, hein. Force Air, franchement, je m'en bats les couilles de ça. Moi, franchement, je mettrais tout dans les armes. Genre ça, je sais que c'est une arme que je vais garder jusqu'à la fin. Recharge. Vitesse. Capacité, dommage. En vrai, je mettrais bien les 4 points ici. Hein. Quoique... Je mettrais un point là. Ah, comme ça, je fais plus de dégâts. Et je garde un point de force au cas où on tombe sur une chambre où je peux mettre un point de force pour l'ouvrir. Allez, on va faire comme ça, c'est pas grave. Est-ce que tous mes trucs sont rechargés, là? Ok, on est bon. Décontamination en ouais. Cours. Ça sent le piège.
c'était sûr et certain. Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Oh, les sons, putain de merde. C'est bon là ? Mais d'où tu sors toi ? Il y avait pas de fenêtre ici là ! Oh bâtard ! Je te déteste toi. Un petit coup de stase. Voilà, dans ta mère. T'es mort là ou pas? Ok, je crois que c'est bon. Oh, je me suis dit, tiens, allez, un petit grain de folie, j'utilise la stase. Merci de votre compréhension. De rien, c'était très agréable. Il y a une fenêtre au plafond, putain, je l'ai pas vue. Ok. Ça me paraît un peu grand cette histoire là quand même. Oh la map de merde. Oh la map pourrie. Zoom, dézoom, trace. Ah, il a l'air d'avoir un truc à aller chercher quand même là-bas. Avec un point de force? Eh non, ça donne un point de force. Parfait, ça. Ouais, Metroid, d'ailleurs. Toujours pas pris le temps de le finir. Hein. Quasiment à la fin. Sur Switch, là. Faudrait que je m'y remette. Ça. Parfait, ça, ça se revend à prix d'or, ça. On sort là? Ok, une petite save. Si ça se trouve, on va aller dehors là, les gars. Allez, dépêche-toi, Isaac. Sortie zone sans gravité. Entrée zone sans gravité. Est-ce qu'il y a d'autres petites dingueries à trouver là? Alors, où est-ce que je dois partir? Là-bas, apparemment. Oh, c'est pas vrai! Ah! Putain, il m'a fait peur! Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Oh la vache! Putain! On peut pas être tranquille deux minutes là? Oh l'emmerdeur de première! Encore quelqu'un là. Eh oui. Allez, ça dégage le bouffon là. Mais comment
Comment veux-tu que j'effectue cette chose-là ? Générateur positionné. Allez. Et genre ? Genre, ça suffit pas. C'est bon, là ? Mais vous m'emmerdez, mais c'est pas possible ! Cassez-vous ! Oh la vache, et puis ça se casse mal en plus, cette histoire-là. Voilà, merci. Me dis pas que ça a repoussé le bousin. Ah non, je l'avais pas mis assez loin. Générateur positionné. Centrifugeuse active. J'en peux plus. J'en peux plus. Où est-ce que vous êtes, bande de cons? Je les entends, mais je sais pas où ils sont. Ah mais t'es là, saleté. Pas, hein. Tu vas venir à moi, toi, là ? Ça veut pas. Ça veut tout simplement pas. J'aimerais économiser mes balles. Ah. Tiens, bouffon. Ah bah, tout de même. Épuisant, hein. Pourquoi je peux pas y aller, là ? Simplement. Alors, maintenant que j'ai fait ça. Activer la console. C'est ça, là ? Centrifugeuse activée. Apparemment. L'équilibre gravitationnel. Gravité restaurée. Entrée espace vide. Putain, j'ai plus d'air. Oh, je kiffe tellement l'ambiance, là. Où dois-je aller ? Ah ! Oh, ça m'a étonné, cette histoire. Attendez, que dois-je faire, là ? Il manque un truc, là ? Je me suis fait écraser la gueule d'un coup, les gars. Attendez, je comprends plus rien, là. Il y avait pas de danger, là. Hein? Je dois descendre. Oui? Faut que je rappelle l'ascenseur. Je comprends rien du tout, là. Allô ? Je peux plus aller, là. Ouais, c'est peut-être... Mais enfin ! Qui est Pasta, là ? Attendez, je comprends rien. Ou alors... Je sais pas, on entend... Ah, y a un problème, le jeu bug. Y a un souci. Je pense qu'il y a un souci, là. Je saurais pas vous dire quoi, mais... Attends, mais normalement... Il y avait un souci d'O2, et là, on l'a pu. Ouais, pour moi, il y a un bug. On s'était... Je suis mort sur un truc où il y avait un... Où il y avait de l'oxygène et du coup, j'étais dans le vide. Et là, on a eu aucune de ces séquences. Donc pour moi, j'ai pas terminé ce que je devais faire, si. On va voir, hein, si la suite des événements se passe normalement, mais... Ouais, je trouve ça chelou. Oh, apparemment, c'est bon, hein. Oh putain, j'ai oublié ça.
Allez, laisse-moi tranquille, sale con. Ah, et puis la visée cauchemardesque, clavier souris. Je vous raconte pas. Oh la vache. Putain, j'avais totalement oublié ce truc. Ok. Ensuite. Ah, vous me renfermez pas, hein, avec les autres bouffons, là. C'est hors de question. Tu vas voir qui... Attention, hein. Ok, commence à comprendre avec ces débiles, là. Je vais me remettre un petit point de force quelque part. Intéressant parce que j'ai pas le souvenir qu'on fasse ça en speedrun. Ah, c'est possible. Hein. Ah, vu que là c'est une normal run. Amélioration recharge. Allez hop. Bon, il y a encore un truc que je vais devoir aller chercher. Que vous avez besoin de moi parce que vous êtes resté bloqué dans vos bureaux. Isaac ? Oui ? Tu me reçois ? C'est Kendra. Ils m'ont suivi. Je me suis enfuie. Amanda. Il a disparu. Kendra ? Où êtes-vous ? Heureuse que vous soyez en vie. Je me suis réfugiée dans le centre informatique. Je les entends rôder tout près, mais ils ne doivent pas savoir que je suis là. Je peux accéder à tout d'ici. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète, les colons avaient déjà fait face à de nombreux cas de démence. Ça serait lié à un vestige qu'ils ont trouvé sur la planète. Ils parlent d'un monolithe. Le fameux monolithe. J'ai votre position, je vais débloquer l'accès aux réserves de fuel. Elles vous mèneront à la salle des moteurs. Merci bien. Est-ce que j'ai toujours pas l'amélioration de la... combinaison, ce serait pas mal. Mais non. Ah. Ça fait du bien par où ça passe quand même. Hein. Bon, je vais peut-être pas sauvegarder, j'arrête pas de le faire depuis tout à l'heure. C'est parti. Ah, par contre, j'ai pas regardé si j'avais besoin de trucs dans mon inventaire. J'ai plus beaucoup de munitions, hein, quand même, hein. Attendez, je vais quand même vendre ça, parce que ça me prend de la place pour rien. C'est plus intelligent de le faire maintenant. Alors. Inventaire. Ça, au revoir. Ça, au revoir. Et on va prendre un chargeur d'énergie plasma. Voilà. J'y suis allé, là, depuis tout à l'heure, dans ce truc-là. Mais oui, j'en viens de... Je m'en rappelle, Ça s'ouvre ou pas? Ah non, j'aime pas ça. Oh, fuck. Petite recharge, on s'en fout de ça. Entrée zone sans gravité. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça ici. Oh ! Oh bah deux, allez-y, allez-y, allez-y ! J'en ai besoin. Tu meurs pas maintenant, Isaac, hein ? On va y arriver, on va y arriver. Fais peur ce con-là, c'est tout fait, là. Allez, allez, il va mourir, là. C'est quoi ce bordel? Ça fait très mal aux oreilles.
Oh, le tintouin que ça fait, cette histoire! Oula, alors là, on n'est pas tout seul, ceci dit. Que pasta? Je vais ici, quand même, au cas où. Ah bah, j'ai bien fait. Allez, du fric, un petit point de force. Message. Matière organique. La matière inconnue aperçue à divers endroits du vaisseau et interne l'ingénierie. Je sais pas d'où elle vient cette merde, c'est comme si quelqu'un avait dégueulé sur tous les murs. En tout cas, ça pousse trop vite pour qu'on puisse contenir cette saloperie. Ça a déjà atteint le moteur, si on ne fait rien pour l'arrêter, ça va nous envahir complètement d'ici deux jours. T'inquiète pas, je suis là. Autre chose. Du coup, on est bien en munitions de... Ah, faut que j'utilise ma... Faut que j'utilise la mitraillette. Hein. Ouais, et on va descendre. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est juste une pièce à la con? Je vais y aller, hein, je pense. Mais oui, je crois qu'en plus, je suis juste un agent de... Même pas de sécurité, moi, dans le jeu, mais je crois que je suis un agent de nettoyage ou un truc dans le genre. Hein. Je suis vraiment la dernière décrotte, hein, dans le jeu. Moteur foutu. Je ne peux pas réparer moi-même et compte tenu de tout ce merdier, je parie que c'est du sabotage. Je vais à la passerelle. Je dois retrouver Elisabeth. Quoique si, je crois qu'on est un agent de sécurité, je sais plus. En tout cas, on est vraiment la dernière roue du carrosse, hein. Ouais, un ingénieur, exactement, vous avez raison, c'est ça. Bon. Du dégueulis de monstre, là. Ça, ça va me servir. Je préfère bien visiter partout plutôt que de me rendre compte que j'ai oublié un truc. Ah putain, j'ai horreur de ça. En plus, ça bouffe la vie super vite, ces merdes-là. Hein. Alors toi, je le savais, je le savais. C'est les pires ennemis du jeu, les petites crottes, là. Hein. Elles sont bloquées là ou quoi? Bon, allez, on redescend. Priez pour moi les gars, c'est parti. Voilà, regardez le bestiau là-bas. Regardez ça là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vais aller checker ici quand même. Oh, ça je m'en fous de la stase. En plus, il y a une pompe juste à côté, mais ça sert... Qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait une bestiole dans la boîte, là? Ouais, j'ai plus de place. C'est bien ce que je pensais. Du fric. En vrai, je m'en fous. L'âme des coupeurs, c'est vraiment une arme de beauf. Y a pas autre chose là d'intéressant? Oh, ça a pas l'air. Écoutez, je vais laisser ça ici. Voilà. Et je vais prendre le kit de soins. C'est parti, les gars. Bah, c'est très bien, ça. Faites ça avec tous les monstres, hein.
totalement débile, toi, mon pauvre. Alors toi, tu m'auras pas deux fois. On est tranquille, là ? Allez, je sauvegarde au cas où. Il est bien, ce jeu, hein. Putain. On fait un peu toujours la même chose, mais... Ça vous plaît toujours ou pas, les gars ? Parce que... Oula. Alors, bougez pas, les mecs. Oui, ouvre. Ouvre, s'il te plaît. Là, il y a eu un bug, là. Allez-y, rapprochez-vous. Oh, je peux pas passer, espèce de con! J'en profite, hein, j'ai plein de munitions de ça, donc je m'en sers. Oh le gros! Ah, j'avais oublié ça! Il me faut un trancheur, il me faut un trancheur. Allez, coupe-lui les bras! Les bras, j'ai dit, les bras! Invincible, ce gros con. Oh, je les avais oubliés, ces gros tas de saindoux. Ils sont ignobles. Ok, ça, ça va m'aider. Ah, par contre, en difficile, il en faut des balles pour les tuer. Hein. Je suis pas impatient d'en croiser un milliard en même temps. Hein. Ouais, parfait, ça. Vous avez autre chose à me proposer, les gars, là, ou pas? Parce que je suis un peu tendax. Hein. Oh, il y avait tout ça ici. J'aurais dû me promener avant. Je suis con. Eh ouais, j'aurais dû me promener avant. Comme ça, j'aurais pu leur balancer tout dans la gueule. Comme ça, j'aurais pas utilisé des munitions. Bon, on prend quand même. Ah, parfait. Kit de soins. Alors, je suppose que je dois appuyer sur le gros bouton. Hein? Séquence d'allumage initialisée. Veuillez patienter. Et allez. Ah bah, là, je vais en chercher, par contre. Oh non! Non! Oh non! Oh non! Voilà. Oh putain, il y a tout le cas explosé, je suis trop con. Et merde! Et merde! Ça court vite, ces conneries! Ah! Vous allez beaucoup trop vite, messieurs dames! Il y en a partout! J'ai plus de balles de ça? Ah si. Allez, barre-toi, la Contaras! Oh la vache, c'est mille, il y en a plein! Alors toi, je vais prendre le temps. C'est bon, c'est fini? C'est terminé désormais, non? Oh la vache, encore plus la prochaine fois!
Il y en avait combien là? Une dizaine en vrai, non? Oh, faut que je rappuie. Oh la vache. Allumage moteur. C'est terminé là? Je me barre. Les sons du jeu sont tellement bien par contre. Allez, c'est parti. Ça marche. Je crois que c'est reparti pour de bon. Enfin une bonne nouvelle. Rejoignez la passerelle, Isaac. Pendant ce temps, je vais remettre le vaisseau en orbite. Minute, attends, c'est pas encore fini. Le système de défense du vaisseau ne fonctionne plus. Et ça tombe mal. On s'apprête à traverser un champ de débris qui vient de la planète. Si on répare pas ça, on va être réduit à morceaux. Bon Dieu! Je vais voir ce que je peux faire. Isaac, venez. Synchro labial, c'est pas ça. Vous pourrez certainement m'aider ici. Bon Dieu! Compliqué, hein. Allez, j'accepte. Eh ben la vache! Ça devient quand même plus bourrin que tout à l'heure, hein. Depuis qu'on est passé à l'épisode 3, là, ça... ça arrête pas, hein. Quel jeu de fou, putain. En vrai, je suis content, parce que si vous... s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient pas, le jeu coûte rien. Si vous avez l'EA Play, il est dedans. Si vous avez le Game Pass, il est dedans. Je crois. Vous avez aucune excuse pour pas le faire. Bon. Bon, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai! Même à la maison, vous... Cassez les couilles maintenant, vous, là. PS Now, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit sur PS Now. Putain, j'ai toujours pas le truc pour pouvoir... J'achèterais bien le lance-flamme maintenant, en vrai, mais... Il faut quand même que j'attende d'avoir un... plus de place dans mon armure, parce que là j'ai... je suis tellement full. J'ai plus beaucoup de dents, j'ai trop de balles d'assaut, ça va dégager. Ah c'est bon. Vous avez les 3 dans le Game Pass, punaise ils sont trop bien. Ah donc voilà, même le 3 si... Je me rappelle vraiment que le 2 c'était banger, hein, parce que je crois qu'il y avait des scènes de fou... J'ai des souvenirs, en tout cas, dans ma tête, de boss vraiment stylés, de séquences vraiment propres. On pourrait se lancer le 2, hein. Déjà, rien que la scène d'intro du 2. Masterclass. Vraiment pure masterclass. Ah ben voilà, on a terminé ici. En vrai, on va plutôt vite, je trouve, hein. C'est tellement une masterclass le 2 que j'ai presque envie d'éteindre le 1 et de faire le premier épisode du 2 avec vous. C'est vous dire. Je sauvegarde. Fais le 2 vendredi? Bah non, vendredi je voulais faire autre chose. Je voulais faire autre chose vendredi. Isaac, par ici. Elle a raison. Le système de défense est... Franchement, pourquoi pas? J'ai besoin de votre... Non, mais je vais pas finir le 1, j'ai déjà dit le J7. Si vous recevez, voyez si vous pouvez trouver des rapports. L'accès a l'air meilleur de votre côté. Quand comptiez-vous nous parler de ce vestige, Amand? Ce monolithe? Je ne sais rien du tout. Je sais pas comment il est optimisé, par contre, sur PC, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué aux deux. Sur le vaisseau? On dirait. Écoutez, je fais un truc. Je télécharge le 2, au moins comme ça. Ça me laisse le temps d'y réfléchir. J'espère juste que ça va pas me faire laguer mon stream, le 2. Enfin, le téléchargement. Je vais voir tout de suite, hein.
Salut Lito. Putain, je suis trop pressé de voir l'event Caca Box Halloween Caca. Bah attends, pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Hein. Si ça se trouve, on va être. Il y aura juste Théo, quoi. Si ça se trouve. On sait pas. Hein. Bon, bah, ça télécharge tellement vite que EA me dit que je l'ai dans une minute. Il pense que c'est extraterrestre, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Vraiment. La compagnie ne sait rien du tout là-dessus. Vous mentez. Dites donc. Dites donc. Ah bah dites donc. Alors que vous me croyez ou non, on va devoir coopérer. On est dans le champ de débris. Allez au quartier du capitaine. Laissez-moi sortir, bordel de merde. Ah. Vous faites ça un peu trop souvent, le jeu, si je puis me permettre. Bon, on fait ça du coup ? On se coupe le 1, comme ça je vous spoil pas tout, je vous spoil pas tout et je vous montre juste le début du 2. Je suis chaud de faire ça parce que j'ai tellement un souvenir, un excellent souvenir du 2, plus que du 1. Et le début, vraiment le début, c'est une putain de claque. Le début de Dead Space 2, c'est trop trop bien. On va faire ça tout de suite. Je l'ai dans une minute. Je l'ai dans une minute, ça va aller vite. Attendez, il n'y a plus de musique, là. Ah si, c'est bon. Ceux qui veulent finir le 1, regardez pas le début du 2, il y a quelques spoils. C'est vrai. Mais bon. Et ce qui compte, finalement, c'est pas vraiment l'information, mais c'est plutôt le voyage vers cette information. Donc bon. En vrai, Osef. Vous ratez des scènes stylées, quand même, là, dans le 1, donc... Même si ça vous spoil un peu le début... Du 2, enfin, si le début du 2 vous spoil un peu la fin du 1, c'est pas vraiment grave. Je l'ai bientôt, là. Bon, je pense que ça doit être un petit peu mieux optimisé que son petit frère, mais on va voir. Sinon, à part ça, tu vas te faire un cosplay pour la Halo Week. Ouais, les mecs, j'ai assez donné avec Lady Dimitrescu. On va pas remettre ça tout de suite, hein. C'était exceptionnel. Déjà que j'ai cosplayé toute la pièce entière, faut vraiment que j'accroche ces petits trucs pourris, ceci dit. J'en mette au moins un, là. Ici. En plus, c'est bien, comme ça, dès que je m'énerve sur un jeu, je peux lui donner une énorme tarte dans la gueule. Je pense que je vais faire ça. Je vais les installer ce soir. Ah bah voilà, fin du téléchargement. Normalement, j'ai plus qu'à... Il est en train de s'installer, là, et je vais pouvoir le lancer direct. Écoutez les gars, je change le nom du jeu. Hop. On se fait vraiment juste le début. Hein. Juste le début. Hein. Un peu de la gourmandise, mais la scène d'intro. Pa, 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 pa. Incroyable. Alors j'attends, voir. Voilà, déjà, ça va peut-être être très très fort au niveau du son, les gars. Je m'en excuse, c'est parce que je lance d'un coup. Laissez-moi juste régler la dimension de la résolution de l'écran, parce que là, c'est en carré, c'est vous dire. 2011. Oh, il faut se créer un compte. Mais les gars, je suis connecté à EA. Vous êtes sérieux? Vous commencez sérieusement à casser les couilles avec ça. Allez, faut que je sorte le qui passe, etc. Oh là là, qu'est-ce que ça casse les couilles, ça, quand même. C'est une sacrée aventure humaine, hein, tout de même. Ah, ça commençait le déclin à partir de cette époque. Dès qu'ils commençaient à te proposer de te connecter quand tu lançais un de leurs jeux, c'était le début pour EA où ça sentait mauvais. Ça commençait à sentir mauvais à l'époque. Alors, ça va me prendre 2 minutes, les gars, vous inquiétez pas. Hop. Alors, EA... Voilà. Est-ce que ça va suffire si je fais ça? J'espère que je peux copier-coller dans le jeu.
Eh ben non, on peut pas copier-coller, puisque c'est un mauvais logiciel, qui a été pas bien développé du tout par les développeurs. Alors attendez, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Voilà, oh là là, le mot de passe qui fait 15 km, j'ai envie de me tirer une balle. Ah, et puis bien sûr, ça fait disparaître la fenêtre. Ah ? Oh, bah c'est bon en fait, pas besoin. Ok, je me suis énervé pour rien. Ah, j'aurais quand même dû paramétrer vite fait le truc. J'ai pas besoin de me connecter à IE, ça me va. Je change la résolution. Je vous mets la capture du jeu et je suis à vous. Alors, graphisme. Alors là, je vais devoir passer beaucoup. Hein. J'étais en 1280 par 720, les gars. Il faut que j'aille chercher la 2560 par 1440. Allez, j'y suis presque, s'il te plaît. Putain, mais il y en avait des résolutions avant la mienne, là. Voilà. Synchro vertical, 100. Plein écran avec. Qualité graphique, très haute. On met tout à fond, les gars. Accepté. Et je vous affiche le jeu tout de suite. Ça me semble bon. Laissez-moi remettre le chat, quand même, parce que je vous vois plus parler. Hop là. Ou même si vous en avez un, faites le jeu mobile, il est insane pour un jeu mobile. C'est vrai qu'il y avait un jeu mobile aussi qui était bien. Après, comme toujours, hein, vous êtes sur un stream, donc bon, si vous n'avez pas la possibilité de faire les jeux, bah regardez des long plays, regardez des walkthroughs, vous avez moyen de le faire ça aussi. Hein. Game capture, Dead Space 2. Hop. Et ça marche. Ok. Ça va au niveau du son, je vais peut-être baisser un chouille. J'ai peur que ce soit trop fort. On va mettre à 82, tiens. Hop là, accepté. Non, non, je voulais juste montrer l'intro du 2, Godro. Après, c'est pas parce qu'un streamer lance un jeu sur son stream qu'il est forcé de le terminer, tu sais. Je voulais juste faire découvrir, vu que c'est Halloween et que c'est la semaine spéciale Halloween. Je voulais juste faire découvrir Dead Space aux gens. Et là, je voulais leur montrer le début du 2 parce que c'est quand même une petite masterclass. Par contre, j'avais zappé qu'il y avait vraiment un mode multijoueur sur le 2. Je crois que j'ai jamais joué. Nouvelle partie. Putain, il y a Fanatic aussi. Qu'est-ce qu'on met là, les gars? On était en difficile juste avant. Qu'est-ce qu'on met? Munitions et ressources rares, ennemis sans pitié. En vrai, on va mettre survivant. Hein. Je me fais pas arnaquer deux fois. Hein. Allez, profitez de cette cinématique de ouf, les gars. Bon, pas celle-ci. Là, on croirait que c'est l'intro de Metroid Dread. Mais je vous jure qu'après, c'est mieux. Hein. Après, c'est mieux. C'est vrai qu'on dirait vraiment Metroid, par contre. Isaac, tu m'entends ? Oui ? Réponds, Isaac ! Je suis là, petite coquine ! Oh, m'en veux pas, Isaac, c'est à cause du décalage horaire. Je te rappelle. C'est bon. Et comment ça va ? Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah, profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année Isaac, prochaine. Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir tant soutenu, je crois bien que sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Je sais, je sais. Rappelle-toi, nous nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Isaac ? Isaac, tu m'entends ? C'est déjà un peu plus joli, les gars. Isaac ! Vous êtes égaré un petit moment, monsieur Clark, n'est-ce pas ? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Oui, je rêve de... Je rêve de Dwagby sans cesse. Monsieur Foster. Je voulais pas finir comme ça.
aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Ouais, ouais, c'est ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un... je suis là, t'inquiète. Je vous laisse profiter de la cinématique. L'USG Ishimura, ouais. De la mission de forage secrète d'EGIS-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça? Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac? Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac? Le monolithe! Vous avez été en contact avec ce monolithe. Il vous a fait voir des choses. Des choses désagréables. Il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit, Isaac? Que vous a-t-il dit, Isaac? Alors là, cette scène-là, les gars, attention. Isaac, vous m'entendez? Attention, les mecs. Là, j'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, mental cul. Bon. Ok. Doudou, c'est ça. Ok, je vous enlève cette camisole. Où on est? On est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible... Oh, je me rappelais pas que c'était aussi dégueulasse, putain de merde. Allez, cours, Isaac! Je cours! Ah! Oh putain, il m'a fait peur! J'appuie! Où est-ce que je dois aller là? Je suis là, les mecs. Putain, c'était. J'ai oublié que c'était aussi cracra quand même. Hein. Dégueulasse. Hein. Bon, par contre, l'ascensier est un tout petit peu trop élevé. Je vous avais dit que ça démarrait direct. C'est banger tout de suite. Je peux l'enlever, ma camisole. Peut-être pas sauvegarder maintenant, non? Ah! Non, je suis gentil! Oh merde. Je suis encore dans la crotte, là. Oh. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire, là. Je crois qu'il faut que je me barre, hein, de souvenirs. J'ai zéro de vie en plus. Qu'est-ce que c'est que ce film là? Votre œil se porte bien mieux aujourd'hui, vous ne pouvez pas? J'ai mal encore. Ouais, je vous programme une nouvelle séance pour demain. Non. Je ne pourrais pas faire une nouvelle séance. Bon, demain, c'est pour vous. Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu? Allez, Strauss, je veux vous venir en aide. C'était noir. C'est noir! Avec du rouge qui brille. Des symboles qui me parlaient. Je kiffe tellement l'ambiance du jeu. En tout cas, le jeu est sorti 3 ans après le premier, mais on sent déjà un joli petit glow-up. Hein. J'ai peur, ce con. Vas-y,
été abandonné. Et quoi d'autre? Écoutez-moi. Et à quoi bon? Écoutez-moi! Comment? On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Arrêtez. Ah! Eh ben non, je le savais, il nous a sauvés. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Bon, ils sont rouges. Bien rouges. J'ai un kit de soie et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Merci, Foster. Allez-y. Prenez. J'en ai plus besoin maintenant. Et ouais, c'est IA, mais c'est IA de 2011 aussi, donc c'est pas pareil. Hein. La petite torche. Oui. On va tous mourir. Oula. Bon, là, je pense que je vais pouvoir baisser un peu la sensibilité. C'est trop, là. J'accepte. Ouais, j'avais oublié à quel point ça démarrait vraiment... C'est encore plus expéditif que ce qui était dans ma tête, quoi. Clark. Oui ? Jack Clark, c'est bien vous ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Dana. Je suis là pour vous sauver. Hein ? Que se passe-t-il ? Vous souffrez d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Comment vous savez ? Qui vous dit tout ça ? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance ? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Ce n'est pas moi qui vous pisse dessus. J'ai compris ça, désolé. Hein. Non mais la sensi est encore beaucoup trop grosse là, je suis désolé les gars. Je mets à 11. Allez 12, soyons fous. Alors là... Ça va vite hein, tout de même. Hein. Oh, j'ai oublié ça. Petite nouveauté du jeu, ça. On pouvait choisir là où ça nous menait. Est-ce qu'il y aurait pas un autre petit soin dans le coin, là? Juste un soin. Ok. Je vais pas sauvegarder encore. Quoique, si je meurs là, c'est vraiment ballot. On va faire un effort. Pour la bienséance du stream. C'est vraiment pour vous que je sauvegarde. Il y a des pièces dans le 2. Il y a des pièces dans le 2 qui sont vraiment trop cool. Hein. Oh tiens, j'avais oublié ça. Ça, j'en étais sûr. Je suis pas le dernier des cons, quand même. Hein. Vous m'aurez pas avec ça, les gars. Désolé les gars, je suis en full concentration là.
Bon, ça veut dire que en général. Ah, j'en étais sûr! Ça, c'est trop stylé. Vas-y, ramène-toi! Ça, c'est trop stylé. Regardez, ils sont accrochés et tout. Voilà, je kiffe tellement le gameplay du 2, putain. Ah, s'il y en a un que j'aimerais vraiment finir, peut-être que ce serait celui-là, les gars. Tout va bien au niveau du son, au fait ? Oui, Reto, je l'ai fini juste avant le jeu. Ça allait super vite. On va dire que c'est fait, hein. En plus, il va le dingue super loin, là. Le 3 est incroyable. Bah, en fait, quand tu le prends comme un jeu d'action... En fait, quand t'as joué aux autres avant, tu peux pas dire qu'il est aussi bien, quand même, que le 1 ou le 2, qui était vraiment... Même si le 2 était quand même beaucoup plus action que le 1... Désolé, il y a des scènes trop stylées, l'ambiance est trop propre... Il y a des trucs qui sont vraiment inoubliables, quoi. Genre, moi, j'ai un boss en tête du 2 et une salle dont je parlais tout à l'heure. Je trouvais ça vraiment hallucinant, quoi. Bon, alors là, j'ai peur de me faire choper par le callback. Oh ! Genre, il y a des trucs à trouver dans les cadavres, maintenant. J'ai oublié, ça. Bon, bah, on va le faire plus souvent, hein. Ouais, voilà, en coop, c'était quand même... Le 3, en coop, c'est vraiment... un tableau avec un milliard d'ennemis. Ensuite, 10 minutes après, un tableau avec encore un milliard d'ennemis. L'ambiance, elle était moins en mode peur, etc. C'était plus bête et méchant, quoi. Que pasta ? J'ai pas un truc pour le tuer, lui, là ? J'arrive. Je suis là. Et vous. Du calme, allez, je vais vous sortir de là. C'est un scalpel laser, un cutter plasma. Oh mon dieu. Aïe. Attendez, lui, qu'est-ce que vous foutez? Alerte. Je suis désolé, monsieur. Alors, on est déjà très bon, les gars. Quoi ? Tu me fais pas peur. Hey, ça répond plus vite et tout, là. J'aime bien, là. Est-ce que je peux me servir, du coup, d'une de ces papates ? On va faire le test avec ça, tiens. J'ai envie d'essayer. Ouais, ça a l'air de lui faire mal, quand même. Bon, allez, tu m'emmerdes. Non, je suis pas en raisonnable, non. J'ai pris pareil que le premier. Je suis en difficile. C'est Dana. Vous devez démembrer les monstres pour les tuer. Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. Et j'ai le souvenir aussi que la combinaison d'Isaac dans le 2... Elle était pas mal. Elle était pas mal, je crois. De toute façon, on va vite la voir. Hein. Je sais plus quand est-ce que, dans quel contexte on récupère la combi dans celui-ci. Oh, fils de pute. Oh la vache, c'était un peu fort ça quand même, les gars, vous abusez là.
Ah! Vous abusez un peu là quand même au niveau des bruits là. Oh la vache. Ouh. Oh j'ai fait un P en même temps là les gars, j'ai... Inspection du slibard dans peu de temps. Hein. Oh la vache, attendez, je reprends mon souffle 2 secondes, j'ai vraiment eu peur. Ouais c'est bon. Elle est où ma petite combinaison là les gars? Soyez sympa. Bon, je pense qu'on la récupère bientôt la combinaison logiquement. Ça doit pas être loin. Hein. Merde. Je vais visiter ici quand même. Oui, il y a toujours des trucs dans le coin. J'ai bien fait en plus. En tout cas, déjà, je trouve que le 2, niveau gameplay, c'est tellement plus réactif que le 1. J'arrive. Il est parti où, le bouffon, là? Mais tu m'as oublié, là, sale con. Patient 5, il a dit. Vos indications sont nazes. Il y a plusieurs sécurités. Vite, vous brouillez, c'est pas possible. Hé, j'ai pas besoin de votre aide. On va voir si vous êtes. Au secours. Au secours. Putain, il m'a bouffé toute ma vie, c'est en pas fait. Ils sont où ces débiles là? Ils sont au-dessus là? J'ai l'impression qu'ils sont encore au-dessus. Et ramène-toi, ramène-toi du con, je t'entends gueuler là. C'est bon là, c'est fini? Oh là là, ça fout sous pression, toujours le bordel là dans les oreilles. Ok, c'est bon. J'ai besoin de vous. Répondez! Isaac, on se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Tideman est votre ennemi, pas moi. Merci Kaizen pour ton sub, merci beaucoup. J'ai trouvé un chemin. Bien. Où est-ce que je suis là? Comment cette épidémie a pu se déclencher? Vous êtes sur Titan, une lune de Saturne. Quant à l'épidémie, on se déclenche. Merde! Tideman brûle maintenant! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, cette bouffonne? Bon, je vais continuer ici, hein. Mais j'en viens déjà d'ici, là. C'est sûr. C'est pas du tout là que je dois aller. J'ai déjà fait tout à l'heure. Ici, peut-être? Voilà. La combi! La combi! Moi, je veux la revoir, la combi, là.
Armed Force. Désolé, monsieur. C'est juste au cas où. J'ai failli mourir quand même alors que le mec m'a chopé qu'une seule fois, quoi. C'est plus vénère que dans le 1. Hein. Exactement. C'est exactement ça, Flamby. Tu fais bien de lui préciser, quoi. Elle est modifiable en plus. Tu parles de quoi, Benji? Oh là, du piratage, j'ai oublié. Ah, la tenue, oui. Ah merde, les points faibles bleus, je suis débile. Bon, ça, c'était pas nécessaire, hein, le piratage dans les jeux, franchement. Suivez un peu vite! One shot le bug. Bon, attendez, là c'est plus dur que dans le 1. Et j'ai bien fait de sauvegarder, hein. Oh là 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 là, la merde. Bon, va falloir aller vite. On va faire ça vite et bien. Allez, dépêche-toi au lieu de frimer, là. Attends, mais c'est un joueur de football américain, là. Le mec, il fonce dans le tas, il s'écrase la gueule au sol sur 10 mètres. Il est toujours debout. Alors, faut que je le restase encore. Je vais le restaser, hein. Oh la vache, one shot qu'il met à chaque fois. Alors peut-être que si je lui coupe les bras. Je vais voir, je vais essayer. Ah bah voilà, quand même. Bon alors... Je suis quand même désolé, mais je lui ai mis beaucoup plus de balles dans la fois d'avant, et il est quand même pas mort. C'est un peu foutu de ma gueule, le monsieur, là. Bon, allez, ça. Mais... Ouf, c'est fait. La combi. Elle est où la combi là? Les bruits sont encore plus dégueulasses que dans le 1. En tout cas, Isaac, j'aime bien là dans celui-ci parce que non seulement il court plus vite, en plus de ça, dès que tu as attaqué ton ennemi au sol et qu'il y a un truc à looter, il le chope direct. C'est un peu plus rapide que dans le 1. C'est de pouvoir apprendre à utiliser ça. Ouais, je pense. Hein. Mais bon, j'ai quand même bien bourré la seconde fois, donc il aurait dû mourir beaucoup plus vite le mec. Bon, ça doit pas être loin là, du coup, la combi. Profitez un peu de la tête d'Isaac parce qu'on va plus beaucoup la voir après. Putain de merde! Ah, c'est pas mal ça, je m'en rappelle. Bon, il va avoir plein de rêves comme ça, Isaac, hein. Il est pas bien. Hein. On va dire qu'il est un tout petit peu traumatisé, le petit Isaac.
Oh, c'est quoi ça? Attendez, mais les gars, on a déjà 3 points de force. On est en difficile, là? Pour l'instant, ça se passe bien, je trouve. Hein. Ils aiment bien aussi dans celui-là les petites séquences en mode QTE à la RE4 aussi. Il y en a qui sont vraiment stylés. Hein. Je me souviens pas de tout, mais... Le souvenir, il y en a une qui est pas si loin que ça. Hein. Ah ! J'irai d'arrêter de se foutre de ma gueule. Bon, la combi est là normalement. Quoi ? Pas de connexion au serveur IE, les éléments débloqués risquent d'être indisponibles à l'achat ? Pardon ? Pardon ? Hein ? What is this story? Attendez. Et du coup, quel est le prix de cet objet par malheur? Pourquoi j'ai toutes les tenues là? Attendez, du coup, tout ça est gratuit pour ma part? Il y a marqué 0 là, à droite. Tenue DLC ? Plus de stade. Attendez, je fais un test. J'ai l'impression que j'ai déjà tout. C'est les bonus, ça casse le jeu. Ah, mais c'est dégueulasse ! Ah ouais, c'est caca ! En plus, elle est moche, celle-là. Ah, en vrai, y a un petit style. Y a un petit style. Dites-moi, alors... Si, quelle est la tenue... Bah, ça doit être celle-ci, non? Ça doit être celle-ci, hein, la tenue des débuts. Que je joue avec la tenue des débuts, puisque là, elle coûte 1000, donc à mon avis, c'est ça. Que ce soit pas trop cheaté. De toute façon, on va pas finir le jeu, hein, mais... En tout cas, pas aujourd'hui, c'est pas prévu. Ah putain, c'est dégoûtant, du coup. Parce que là, même quand tu joues en difficile, ça veut dire que t'as les bonus dès le début du jeu. Ils sont tous de base dans le jeu, maintenant. C'est-à-dire que même avec une édition caca, tu as tout dès le début. Ça fait... Enfin, c'est con, ça gâche un peu le délire, quoi. Ok, c'est celle-là, du coup, je crois. Enfin, je pense. Quoique. Tenue rétro. Oh, je crois que c'est celle-ci, hein. Du coup, là, tu peux avoir toutes les armes gratuites. Oh, écoutez, pour le plaisir, on va peut-être prendre le trancheur. On va peut-être prendre le trancheur, quand même, les gars. On va peut-être prendre le fusil chargeur tactique. On va peut-être prendre le... Ah, je sais pas. On va peut-être prendre ça aussi, quand même, juste pour essayer. Le jeu me le propose. Ressemble à Yann Barthès un peu dans le perso. C'est vrai qu'il y a un petit air de Yann. Ouais. Donc là... Ouais, donc c'est bien le même truc que dans l'autre jeu. On a le fusil à pompe. C'est quoi, ça? Oh...
Je peux zoomer. Ah, mais en fait, c'est un sniper. Là, j'ai pas le souvenir de ça. Et ça, du coup... Ah ! Ok. Oh, c'est stylé, ça. Ça, j'ai pas le souvenir de cette arme-là. La tenue du 2, c'est la dernière. Ah. On changera après. Allons voir. Merde. Celle-ci ? Tenue immunitaire ? Voyons voir. Vous êtes sûr de ça? Ouais, je suis pas sûr non plus. Hein. Bon, il y avait pas le petit tatouage là sur la jambe gauche. Voyons voir le casque. Ouais, non. Que nenni. Écoutez, j'ai envie, je vous le dis, je vous le crie, j'ai envie de mettre celle-là. On va garder celle-là. Putain, mais du coup, je trouve ça con de proposer ça dès le début du jeu parce que ça baise un petit peu l'expérience de l'époque, quoi. Oh, ça a l'air stylé, ça. Ah, j'aime bien. Elles ont quand même plus la classe que dans le premier, hein, les armures. Hein. Y'a pas à chier. Hein. Oh, c'est une espèce de tenue fit. J'aime bien celle-là. Aucun sens de tout avoir minute 1. Bah, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça commence direct comme ça. Ah, et puis j'avais pas beaucoup de réserves en plus. Hein. Oh là, mais j'ai un souvenir ici, là. Il se passe pas une dingue dans cette... Ah, c'est bien ce que je pensais. Fait mal du con. C'est bien ça. Très bien ça. Parfait ça. Il est déjà mort. Ah, cette chose avait la rage. Leila, je sens. Ouf. Bon, le tram est derrière les quartiers résidentiels. Attendez. Qui bosse? Des réponses. Je suis dans tout camp. 3 ans. Steinman vous a récupéré près d'Egypte et il vous a amené ici. Et pourquoi je me souviens de rien? Le monolithe a un plein. Ah, la voix elle est stylée dans la combinaison là. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram. Bougez-vous. J'arrive. Petite pompe à stase. Ça, je prends. Ah, vous voyez, il y a plein de petites rencontres comme ça dans le 2. Même je trouve que les boss sont quand même plus marquants dans le 2. Je saurais même pas expliquer pourquoi je préfère le 2 au 1, mais...
Moi, je trouve que globalement, c'est niveau gameplay, c'est la perfection par rapport au 1 et... Je sais pas, il y a une petite ambiance aussi qui me plaît beaucoup plus dans celui-ci que dans le premier épisode. Je vous dis, j'ai vraiment le souvenir de certaines salles dans le jeu qui sont vraiment énormes. Je peux compléter tout simplement, bah c'est ça, même au niveau de la réactivité de d'Isaac, même de l'incarnation du perso, parce que dans le 1, il dit rien du tout, il est aimé comme une carpe le bordel, dans le 2, il est un peu plus, bah vous l'entendez parler de toute façon depuis le début. Mais c'est vraiment la perfection quoi. L'aboutissement, j'ai envie de dire, de la recette du 1. Alors, encore le stock. Eh les gars, est-ce qu'on changerait pas déjà de tenue? Tenue lumière? J'ai envie d'essayer ça. Bon du coup je vais faire ma fashion victime et je vais absolument tout tester avant de débloquer le reste mais... De toute façon j'ai déjà tout. C'est dégoûtant ça. La salle des bébés... Ah oui. Je m'en rappelle de ça. Bah c'est ça dont je parle. Dans l'espèce de cathédrale où ils t'attaquent tous. Je crois que c'est ça. Oh, je suis moins fan de celle-ci. Ah, le casque est propre. Hein. C'est good, c'est gully good. On peut y aller. Peut-être améliorer un peu de trucs. Je crois que le système d'amélioration est différent dans celui-ci. Ah bah non, my bad. J'étais resté sur exactement le... Enfin sur un système différent, mais en fait non. On va mettre la vitesse de recharge plus vite. Allez, on améliore déjà ça. Vous voyez pourquoi j'aime beaucoup le 2. Je voulais être gentil et commencer par le 1, mais... Même regardez ça, là. Franchement, mais 2011, putain de merde, les jeux de lumière et tout, la dégaine qu'il a, Isaac. EA, arrêtez de nous sortir des Battlefront, des Battlefield, des... Sortez ça, sortez un putain de nouveau Dead Space. Moi, c'est ça que je veux, hein. J'aurais dû attendre avant de dépenser tous mes points de force. Oh! Oh la sale bête! Ah mais ouf! Je vais essayer de sauver quand même quelques personnes, non? Ouais, c'est pour ça, franchement, le prochain projet de Glenn Schofield, donc le développeur de... Enfin, le développeur. Le creative director du 1 et du 2. Je crois qu'il avait bossé sur le 2, je sais pas s'il était là sur le 3. Bon, Isaac a plus peur quand il voit un humain que quand il voit un ennemi, hein. C'est très très grave, hein. J'espère vraiment que le nouveau jeu du mec, donc dans l'univers de PUBG, sera mieux. Hein. Enfin, sera mieux. Sera bon. C'est les drogues, Isaac. Les drogues qui nous font oublier. Mais ça me revient. Je vois pas comment vous voulez parler. Pourquoi vous m'appelez ? Isaac ! Isaac, fais attention ! Ah ! Ça va pas ? Après, le jeu, c'est vrai que le 2, il a bien marché avec un petit peu plus de jumpscare et tout, mais... Mais je trouve que ça marche.
Ah, ils sont dégueulasses ceux-là aussi. Hein. Ah! The Callisto Protocol, c'est exactement ça. J'espère juste que l'histoire de... Bah c'est dans le lore de PUBG, va pas gâcher tout et que ça... J'espère juste en fait qu'ils auront la liberté de développer finalement ce qu'ils veulent. Plutôt que d'exécuter une commande bête et méchante. Mais j'ai confiance en Glenn Schofield, c'est un bon. Ça me fait peur ces cons là. Qu'est-ce qu'il balance à chaque fois lui là? J'arrive pas à comprendre ce qu'il m'envoie dans la gueule. Ah, oh j'ai eu peur. Oh j'ai eu sincèrement peur. Rien vu, mais ça avait l'air stylé. Putain! Bon, laissez-moi tranquille, putain de merde! C'est pas possible. Oh, vous m'emmerdez, hein! Oh la vache! Ça commence à être trop pour moi, les gars. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ah, le passage est trop cool. Les nécromorphes sont partout. Toute la méduse est infectée. Bah vraiment, c'est la suite que j'ai vraiment bien en tête. Il y a aussi une séquence où ça fait un petit peu penser avec ça fait un petit peu penser à Alien où il y a plein de bestioles qui sont conservées dans des espèces de grands pots de confiture, vous savez, des énormes pots à cornichons. Et il se passe quelques petites dingueries, c'est vraiment trop bien. Alors là, je pense que je vous ai bien vendu le projet là. Si vous avez pas envie de faire un Dead Space à la fin de ce stream, franchement, c'est que j'ai pas compris. Hein. C'est tellement des bons jeux. Si vous n'avez jamais fait un Dead Space de votre vie, vous ratez vraiment quelque chose. Hein. Dans le Game Pass en plus les trois, exactement. Dans le Game Pass en plus, je crois, je vais vérifier tout de suite sous vos yeux ébahis. Mais je crois que même sur le game, l'application Xbox PC, donc sur le Game Pass PC, vous y avez accès. Je regarde là, mais je crois que oui. Alors, Dead Space. Donc ça doit être via l'EA Play Pro, mais... Ah. Je les ai pas sur PC. En tout cas, je sais que sur console, j'ai vu quand je me baladais sur les jeux disponibles dans le Game Pass. Je suis sûr et certain d'avoir vu sur PC, sur Xbox, pardon. Il me proposait naturellement, en fonction de mes goûts, Dead Space. Donc c'est sûr et certain qu'il y ait sur le Game Pass console. Ah mais je vais pas le faire en entier, Darky. Hein. Je vais pas le faire en entier. Hein. Je te dis juste, là, cette semaine, c'est Halloween, donc c'est pour ça que je fais des petits jeux qui font peur, quoi, c'est tout. Hein. Moi je vais vous laisser, putain ça fait 5 heures que je stream, et pour une fois j'ai pas vu le temps passer. Alors je sais pas ce qui s'est passé en moi, si c'est la Rockstar qui m'a permis de me focus dans le truc, mais
Je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que bah, ça fait 5 heures déjà. Et puis, bah, du coup, je sais pas par contre ce qu'on fait quoi, ce qu'on fait demain soir en fait. Je sais pas ce qu'on fait demain soir avant de regarder la conférence State of Play PlayStation. Je sais pas du tout. Donc peut-être que je vais essayer le jeu comme disait l'outre mystique, l'outre cosmique, pardon, tout à l'heure. Et on verra ensuite. Mais du coup, demain, de confirmer, je crois que... Il y a Grim Cujo qui voulait venir, il y a Théo. Je crois qu'il y a Quentin aussi, Cantoul, qui sera avec nous demain soir. Et à voir. Je vous remets la proc, tiens. Au cas où. Image, tac. Je remets la proc de la semaine quand même. Pour vous ayez les infos. Voilà ce qui est prévu en gros. Du coup aujourd'hui c'est fait Dead Space, on oublie. Demain soir 21h30, State of Play Fit Cacabox. Sauf que le State of Play commence à 23h. Jeudi soir, on fait des jeux d'horreur avec la Cacabox. Et vendredi, stream libre vers 13h. Je sais pas encore ce que je fais, mais je vais poster ça. Je vais poster ça tout à l'heure sur Twitter. La petite prog et tout. Bon, en tout cas, je suis content si je vous ai fait découvrir Dead Space, parce que c'est vraiment une dinguerie. Et j'espère que vous les ferez, parce que c'est des bons jeux, sauf peut-être le 3. Faites-le à deux, quoi, c'est tout. On verra ce qu'on fait vendredi, on verra avec le temps. Je pense que j'aurai des petites envies qui vont venir dans la semaine. Bref, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec ma petite danse. Et on se dit à demain soir, du coup, les mecs. Hein, on se dit à demain soir. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée, merci d'être resté autant, aussi longtemps. Et merci pour tous les subs, merci pour tout, et je suis très content que la nouvelle DA vous plaise. Allez, des bisous tout le monde, salut.